Salut tout le monde et bienvenue sur le Facebook Live, bienvenue sur YouTube aussi pour suivre la Tribune, l'émission qui va vous récapituler tout ce qui s'est passé dans cette 30e et dernière journée de phase classique de Jupiler Pro League. Et Dieu sait qu'il y avait des choses à dire, c'est pourquoi je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Vincent Lagendriss qui va m'aider à faire le tri dans ce qu'il faut savoir retenir parce qu'il y a encore eu de l'actualité aujourd'hui, Vincent, avec déjà le calendrier qui est connu aussi. Salut. Oui, bonsoir Lancelot, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, beaucoup de choses à retirer de cette ultime journée de phase classique qui annonce de jolis play-offs. Le calendrier est sorti en fin d'après-midi, effectivement, avec, on va détailler tout ça avec vous, avec déjà de fameuses affiches pour commencer. Exactement, pas mal de jolies affiches. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est ce qui va se passer dans la lutte pour le titre, mais aussi ce qui va se passer dans les play-downs avec... Malheureusement pour les supporters wallons et principalement ceux de la province de Hainaut, Charleroi qui va se retrouver dans ses play-downs. Donc on va essayer de décortiquer tout ça, le calendrier des Zèbres notamment, aussi voir et déjà se projeter un petit peu dans leur état de forme, dans leur état mental aussi après ce coup de massue qu'ils ont pris avec ce but de Nashwen Singhi hier soir. Terrible scénario de fin. Je vais pas dire en toute proportion gardée, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé pour le titre l'année dernière avec le but à la dernière seconde d'Alderweireld pour le titre. Ici, le but d'Ensingi qui fait basculer tout ça. Il y a eu aussi une sombre histoire de dernière minute de jeu à Westerlo Genk. On en reparlera peut-être si ça vous intéresse, vous qui nous suivez. C'est pour Charleroi, c'est véritablement un coup de massue qui est tombé hier soir. Alors, je vois M qui nous dit « Les arbitres sont en train de tuer le championnat ». Je vois André qui nous dit « Buté et Bataille auraient dû être exclus ». Scandale hier, l'arbitrage à l'Antwerp. On va en parler, notamment avec Alexandre Boucaud qui est là et qui a pas mal de choses intéressantes à dire sur ce qui s'est passé justement hier entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. Mais avant ça, on va se faire la séance de rattrapage. Si vous n'avez rien vu du week-end, c'est avec Quentin Volverte. 3 minutes pour se remettre toute cette soirée incroyable en tête. Assurer des play-offs pour l'Europe. Les Pandas avaient déjà pris le coup de bambou des play-downs. Mais pour bien finir la phase classique, le coach pennois Kefeld a décidé de s'en aller. Et pourquoi ? Parce que j'en ai ras-le-bol de vos conneries. Anderlecht douche froide pour ce dernier match de la saison. Les mots vont donner un petit coup de pouce à Courtrai. Enfin, surtout de Basque. Alors lui, sans aucun doute, bibine. Victoire 0-1 des Flandriens qui laisse la dernière place à Molenbeek. On retiendra dans ce match la nouvelle sortie sur blessure de Verskaren. Il est fragile, extrêmement fragile. Les Trudonnaires exploitent des ball boys de plus en plus jeunes. Ah bah c'est lui propre. Le club s'est incliné sur le synthétique du Stadion avec notamment ce magnifique but de Koita. Deila, c'est fini pour les Brugeois. Le Norvégien a été remercié ce matin et en plus, il s'en va en ayant cassé Mignolet. Bravo! Très drôle, bravo! La prochaine finale de la Coupe a connu une répétition générale. Hier, c'était tendu entre Buté qui veut écrabouiller quelques orteils, Machida qui veut botter des fesses. La tension était à son comble. Nilsson avait donné l'avantage à l'Union sur corner. Kerk a profité d'une petite erreur de compréhension entre Sykes et Maurice pour égaliser. Les deux hommes en ont discuté après. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Dimanche, 18h30, c'était le début de la grosse empoignade à distance pour les play-offs et les play-downs. La première équipe à prendre son ticket pour les Champions play-offs, ce sont les hommes du cercle. Victoire nette et sans bavure contre une équipe du RWDM qui n'avait visiblement envie de rien, à l'image d'un McTargay fâché sur ses équipiers. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. À bout de force, le grand Sénégalais a préféré suivre le conseil de ses supporters et rentrer au vestiaire avant les autres. Dans les autres rencontres, Charleroi avait bien commencé. Le but était simple, mettre KO les adversaires rapidement. Combien de doigts je lève, Marvin ? 8. A défaut, M. Botterberg a failli y passer aussi, sans succès. À la pause, c'est 2-0 pour Gans et mal barré pour les Carolos. Nom de Dieu. À OHL, contre toute attente, les Louvanistes sont plus dangereux que Malines, qui court aussi après un ticket pour les play-offs 1. Maziz met le poteau, KO. À Westerlo, la tactique Carolo fait des émules, mettre l'adversaire au sol. Rojovski prend aussi son ballon dans le pif. Ça fait mal, hein. Charleroi insiste en deuxième mi-temps. Monsieur Botterberg essaye de contrer les velléités offensives de Gand, mais le déluge s'abat sur Charleroi. Quadruplé pour Gundelmann, la perte de sa carrière, les Carolo comptent sur Malines. Les téléphones chauffent. Gand espère aussi un but de Westerlo pour entrer dans le top 6.
Bonsuba, lui, est un peu moins discret pour tenter d'assommer la concurrence. Troisième carte rouge de la saison pour le jeune Genkois. Dans la foulée, Westerlo ouvre la marque par Tagir. Genk sort du top 6 et laisse la place à Gant. À la Galamco Arena, le stress est total. 20h19, presque au même moment, la foudre s'abat sur Gant et Charleroi. Genk égalise et Louvain marque dans les arrêts de jeu. Je crois qu'on a dans le pitch. Au bout du suspense, Nashon Nsingi offre les 3 points à Louvain. Dundreef exulte, le jeune joueur bruxellois n'en croit pas ses yeux. Un match incroyable, j'ai pas les mots. C'était vraiment un sentiment, j'ai pas les mots, je ne sais même pas comment vous expliquer, c'est fantastique. Pour les Limbourgeois, c'est le capitaine Brian Aynon qui marque le but décisif, qui envoie les Genkis dans le top 6. Genk a ce qu'il veut, Westerlo aussi, alors on gèle le ballon. Au coup de sifflet final, chose rare, tout le monde est content. Tout le monde est déçu par contre à la Galamco. Gant est en play-off 2, Charleroi en play-down. Catastrophe pour les Zèbres de Mazou. Nous te tuons. Ainsi se termine la phase classique. La tension de cette dernière journée nous promet bien du plaisir pour la fin de saison. À dans 2 semaines. Exactement, il y aura demain des diables rouges, vous le savez, entre ce moment-là et le début des play-offs. C'est parti pour dire bonjour, évidemment, à Cécile de Gernier. Bonjour. Voilà. On en a des débats hein, pour ce lundi avec Philippe Albert. Bonsoir. Ah, Philippe. Oui. C'est un petit oui, ça. Soirée difficile, mais ça va. Pourquoi? Bah, devant la télé, pour une fois, donc... Ouais, on en parlera. C'est vrai que là, Quentin a résumé la situation, il s'est passé pas mal de choses, et notamment, évidemment, pour le Sporting de Charleroi. On va démarrer bientôt avec cela. Stéphane Strecker. Doit-on parler du RWDM encore ou pas? Fais ce que vous voulez. Vous êtes le patron et je suivrai la situation. C'est semblant de l'être, c'est pas tout à mais fait... On rigole, chose. Mais c'est tellement triste. Oui, comme terrible. Quoi le foot peut amener des émotions très contrastées. C'était le cas, évidemment, tout au long de ce dernier week-end de la phase classique. Il est de retour de vacances. Nico Froutos. Désolé de balancer sur votre vie privée, mais ceux qui vous suivent sur Instagram le savaient, de toute façon. De temps en temps, il faut travailler. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, là aussi, je parlais de week-end contrasté. La Louvière a perdu samedi. Premier match de la saison. Son premier match de la saison, alors qu'il venait d'apprendre, vous veniez d'apprendre, et ça, on va quand même applaudir la Louvière, qui remonte dans le foot professionnel. C'est officiel. Et donc, je vous connais. Voilà, vous êtes officiellement en D1, en Challenger Pro League, mais vous n'avez pas aimé le week-end et la défaite, ça doit vous énerver quand même. Non, ça va. Ça peut-être, va. Peut-être que ça va nous lancer pour aller chercher les derniers 8 matchs et essayer de jouer le titre, mais bon, l'objectif principal du club, c'était revenir dans le monde pro et on est là, alors on est hyper content. Avec le stade aussi qui va être construit, donc tout roule à la Louvière. Mais c'est vrai qu'on parlait de paradoxe. Lokeren, qui est deuxième au classement, on a vu les images sur les réseaux, a fêté ça, a remonté dans le foot professionnel. À la Louvière, rien. Rien. Bon, ça viendra. Je suis sûr, le sens de la fête des Louviérois. Lancelot, évidemment, est là aussi. Ça ne bouge pas devant les écrans, devant les questions, devant les réactions. C'est important parce que j'imagine que les supporters de tous les clubs ont besoin de s'exprimer en ce lundi de dernière journée de phase classique, Lancelot. Oui, salut, effectivement. Il y a beaucoup de réactions, déjà notamment des supporters de Charleroi qui viennent demander des comptes ici dans le chat, à la fois sur Facebook et sur YouTube. Donc pour nous rejoindre, vous le savez, RTBF Sport, ou participer au débat avec nous. Mais le sujet qui fait énormément débat déjà ici, je pose mes yeux sur les commentaires et ça défile, c'est ce qui s'est passé entre Westerlo et Genk. Alors tout le monde en parle. On parle déjà d'équité sportive, de ce qui s'est passé à la fin du match dans le temps additionnel qui était une farce pour certains. Alors je sais que vous allez en parler sur le plateau, mais nous on va en parler ici aussi avec Vincent Lagondritz. On sera là pour disséquer ce que vous allez dire aussi sur le plateau et venir apporter notre contribution au débat, à ce débat-là, mais à tous les autres aussi, sur Charleroi bien sûr, sur ce qui s'est passé en play-off. Bref, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Oui, Alexandre Boucaud sera là aussi pour débriefer notamment l'arbitrage dans le match au sommet hier entre l'Antwerp et l'Union, qui en a surpris plus d'un, dont lui. Petit teasing, il n'a pas compris certaines décisions, Alexandre Boucaud, il viendra s'exprimer dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on reprend nos traditions, le soulier d'or évidemment, les votes des 4 membres du plateau du jour. Les voici d'abord pour le joueur du week-end, ou les joueurs du week-end. Ouf!
on a du Gundelman et son premier quadruplé en carrière. Mais Cécile, je vois qu'elle a regardé le match attentivement. Elle a mis Tissou Dali, qui n'a pas marqué dans les 5 buts de Gand. Mais, je vous lance. Il est tout simplement incroyable. Pour moi, il porte vraiment, et pas seulement l'attaque, hein, il y a un point d'ancrage qui n'est pas fixe, mais qu'on peut trouver un peu partout. Il décroche, il repart. Il est assez incroyable. Gundelman, il a bien profité des espaces qui lui étaient laissés, mais Tissou Dali est là pour les créer, et donc il était vraiment bon. Et ce n'est pas le premier match qui porte à lui tout seul cette attaque qui a été complètement décimée. Donc voilà. Voilà, et il a été très très précieux, évidemment. Philippe, vous avez mis Kanga ? Non. Yeboah ? Ouais, et Nico Amikanga. Pourquoi l'un et pourquoi l'autre ? Alors, parmi les débats qui sont abordés ici, pendant qu'on fait le soulier d'or de la tribune, bon, on peut laisser les images, comme ça vous voyez quand même quels sont les noms, les joueurs qui ont été retenus par le plateau. Je vois déjà beaucoup de questions au sujet de l'Union Saint-Gilloise et ce carton rouge non donné à Antwerp Union, enfin, ce carton rouge non donné, plutôt ce carton rouge qui a été donné à Machida et celui qui a été non donné à Yelle Bataille. C'est Costas qui nous dit ça. Costas, grand supporter de l'Union Saint-Gilloise. Il me semble que c'est lui d'ailleurs, je pense que c'est le capot de l'Union Saint-Gilloise qui nous demande si on va parler de ça. Oui, on va en parler parce que Alexandre Boucaud a des éléments factuels de règlement pour évoquer ce sujet-là. En attendant, même sans aller voir dans le règlement, il y a quand même des choses qui nous interpellent là-bas. Oui, en tout cas sur la faute de Bataille, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a compris la décision de ne pas exclure directement. En tout cas, c'est mon avis. Quand l'intégrité physique d'un joueur est menacée, c'était le cas avec la faute sur Machida. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Alors Alexandre Boucaud expliquera exactement le point de règlement sans doute tout à l'heure, mais ça fait partie des différents critères que les arbitres ont sous la main pour exclure un joueur. Alors ouais, je suis curieux de savoir quelles ont été les explications données par l'arbitre de la rencontre pour ne pas exclure Yelle Bataille. Ça pouvait changer complètement la rencontre, hein. On rappelle que Machida, ben, c'est pas au Saint-Gillois que je vais l'apprendre. Lui a pris 2 cartes jaunes, il sera donc suspendu pour le premier match de l'Union Saint-Gilloise, ouais. Qui sera un déplacement à Genk. Déplacement à Genk avant de recevoir le Cercle de Bruges et puis, me semble-t-il, de jouer contre Anderlecht pour la troisième rencontre. Effectivement, c'est quand même interpellant et je pense que ça va même au-delà de ce qui s'est passé sur le match. C'est que si l'Union, admettons, bon, alors il y aurait beaucoup de si, mais si l'Union avait battu l'Antwerp, ça aurait aussi joué dans le rapport, disons, mental avant la finale de la Coupe de Belgique. Tout ça fait partie d'une réflexion plus large. Et honnêtement, on se pose des questions sur ce qui est passé par la tête de Nathan Verbeumen, qui était dans le VAR aussi, pour être aussi peu persuasif sur le fait qu'il y a eu plusieurs phases où ça nous semblait flagrant que l'Union était désavantagée. Voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Et malgré tout, l'Union sort quand même pratiquement vainqueur moral de ce match. J'ai presque envie de dire vainqueur moral du week-end complet. Ouais. Quand on regarde ce qui s'est passé en haut de tableau, la défaite de Bruges, la défaite d'Anderlecht, j'étais au stade, à l'ancien stade Constant Van den Stock, comme on dit samedi soir. C'était assez affligeant ce que le Sporting a proposé comme spectacle. Alors soit c'est une bonne claque dans la tronche pour les Mauves et les play Off 1, les Champions Playoff vont augurer autre chose pour le Sporting. Mais là, franchement, l'Union est le grand vainqueur du week-end, hein, malgré ce match nul et avoir été rejoint comme ça au score en fin de rencontre par l'Antwerp. Oui, parce que la faute de main de Kerk, elle était évidente. Et là aussi, il y a des points de règlement, on l'a dit, qui attestent le fait que le but devait tout simplement être annulé. C'est réglementaire que ça se parle. Il n'y a même pas de question d'interprétation, ni rien là-dedans. Donc, effectivement, s'il y a des supporters Saint-Gillois dans la place qui se sentent un peu lésés, eh bien, sachez qu'Alexandre Boucaud va aller dans votre sens d'ici quelques petits instants. Et ça va effectivement dans ce sens-là aussi dans les commentaires. Hein. Je vois avec Jean-François qui nous dit Bataille devait être logiquement exclue et Machida n'aurait sans doute pas pris sa deuxième jaune. Alors là, évidemment, on arrive dans des si, de si, de si. Les si, de si, ouais.
Voilà. Je sais aussi qu'il y a apparemment beaucoup de problèmes sur Ovio. Donc tous ceux qui ne parviennent pas à se connecter sur Ovio nous ont rejoints et c'est très bien ainsi. Désolé, mais voilà, une fois que l'émission sera lancée, on vous laissera bien sûr profiter des débats en bas. On discute encore un petit peu avec Vincent. De toute façon, c'est la publicité en bas et on n'a pas encore vraiment commencé l'émission. C'était juste le petit apéritif. André nous dit « Je ne trouve pas la tribune en direct sur Ovio ». On a fait remonter le problème. Pascal nous parle aussi de Janssen qui n'a pas pris de jaune alors qu'il aurait dû sans doute en première mi-temps. Là aussi, je suis plutôt d'accord. Il y a eu trois grosses fautes à la troisième. Il aurait mérité d'en prendre une. Et je pense que Marc Van Bommel s'en était rendu compte parce qu'il l'a sorti à la mi-temps pour cette raison-là, entre autres. Voilà, maintenant, on peut parler aussi et profiter de cet instant pour parler de ce qui s'est parlé, de ce qui s'est passé pardon, à Westerlo Genk. Comment est-ce que vous l'avez interprété quand vous l'avez vu, cette situation plus que cocasse, voire ubuesque, que faudrait-il dire d'autre comme qualificatif ? Sincèrement, quand on voit ça, moi, qui suis un amoureux du foot, ça me choque à chaque fois. Je dis à chaque fois parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire du foot. Le premier souvenir que j'en ai, je pense qu'on en verra quelques images tout à l'heure, peut-être bien dans la tribune, édité par Manu Jousse, qui m'a parlé de ces images-là d'archives. Et c'est vrai que je m'en souviens, c'était en 82, un match entre l'Autriche et l'Allemagne qui avait besoin d'un match nul pour tous les deux franchir le premier tour de la Coupe du Monde 82. Et laisser l'Algérie sur le carreau, qui avait fait un premier tour extraordinaire à l'époque. Et voilà, l'arrangement n'avait pas été caché, entre guillemets. Ça s'était joué un petit peu comme on a le même type d'image qu'on a vu dans Westerlo Racing Genk. Non, moi, ça me choque, franchement. L'éthique sportive, bien sûr, on sait que les intérêts des clubs passent avant tout, mais ce qui m'a choqué le plus, c'est les petits sourires sur le banc de touche. On en riait presque là, du côté de Vranken, du côté de 2000 aussi. Et je comprends l'énorme frustration de tous ceux qui sont victimes en fait, de ces 5-6 dernières minutes où plus personne n'a décidé de jouer au foot. Bah, j'ai envie de me mettre aussi à la place de l'arbitre. Que peut-il faire sans doute pas grand-chose. Rien, laisser bien le temps s'écouler jusqu'au bout pour que ça soit bien perçu par tout le monde, ce qui est en train de se passer. Mais il n'a pas de prise là-dessus. Non. Bien entendu, mais oui, voilà, s'il fallait résumer, moi, c'est choquant. Choquant. Ben, je suis assez d'accord avec ces termes-là. On a vu des matchs honteux, c'est vrai. Alors, je pense que ce qui est très choquant, mais c'est aussi que ce soit aussi outrancier, parce que des petits arrangements entre équipes, je pense qu'on a tous déjà plus ou moins assisté à ce type de rencontres où parfois un point arrange tout le monde. Rappelez-vous l'époque avec Anderlecht et Charleroi, quand Chiffaut allait passer du côté de Charleroi. Ça a existé, c'était moins vulgaire que ce qui s'est passé hier. Moins visible aussi. Et je ne sais pas si c'était vulgaire, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout dissimulé leurs intentions à Westerlo et à Genk dans cette fin de rencontre. On rappelle que c'est quand même plus ou moins la même zone géographique, que on a revu dans le sujet de Quentin le scénario du match. Westerlo qui mène et Genk qui inscrit un but qui leur permet d'être finalement dans le top 6. Oui, c'est vraiment dommageable, je pense, pour l'éthique et pour l'image de notre foot. Ludo nous dit, ce n'est pas à l'arbitre de trancher, mais à l'Union belge. Alors effectivement, les deux clubs pourraient être poursuivis quand même pour... que le parquet prenne l'affaire en main, ce qui n'est pas... Au moment où on parle, je pense pas le cas. Non, mais c'est une possibilité. Ouais. Ça pourrait exister et là, il pourrait y avoir des sanctions pour les deux équipes qui n'ont tout simplement pas respecté la logique de fair play et la logique du sport, tout simplement. Hein, ce qui va dans le sens de ce qu'on aime aussi dans le sport. Alors oui, il y a des problèmes sur Ovio. Alors on va partir analyser ce qui s'est passé dans le match de Charleroi et Gand avec la victoire de la Gantoise. Et finalement, cette équipe de Charleroi qui va donc se retrouver en play-down. On va écouter ce qui se passe en bas. Et si vous avez des réactions, vous les supporters de Charleroi, c'est ici et maintenant que vous les postez. Il faut trouver ces ressources nécessaires mentales et physiques pour aller ennuyer cette équipe de Gand et ils ont laissé aller et ça c'est quand même assez inquiétant. On va vous montrer la montée de Gundelmann parce que ça aussi c'est parfois
les hasards de la vie et des matchs de foot. Bon, il faut préciser que pendant ce temps fort de Charleroi, Gerkens était sur le terrain avec une commotion. Donc Gant jouait virtuellement à 10, hein, parce qu'il était complètement perdu. On m'a dit après, il avait envie de vomir sur le terrain, il ne savait plus où il était. Donc voilà, pendant ces 20 minutes-là, ça compte quand même, hein, dans un match de foot. Et Gundelmann, qui le remplace, qui ne devait pas jouer, rentre et marque le premier quadruplé de sa carrière, Nico. Voilà, quand je disais que ça résumait parfaitement la saison de Charleroi, il y a ces indices-là, comme si c'était le destin qui avait frappé. Oui, ça résume parfaitement parce que tu pars en déplacement dans un match hyper compliqué, dans une équipe qui s'échoue la possibilité de rentrer en play-off, et tu tiens la route, tu t'es créé les meilleures occasions jusqu'à ce moment-là, même si c'est vrai que c'était avec un joueur, je vais dire, un peu blessé, quand même. Alors, quand tu arrives à avoir autant de situations, les gardiens, ils te sortent un match phénoménal, tu en casses un but, tout l'effort qui avait été fait, tu n'y crois plus. Et on voit les visages des joueurs, on voit les visages de les staff. Je pense qu'ils avaient envie que ce soit fini au plus vite. Oui, mais c'est ça le problème, en fait, Stéphane, c'est qu'il n'y a plus moyen, on a l'impression, dans cette équipe, d'inverser ce processus. Il n'y a plus de ressort qui fonctionne. On peut montrer les buts, hein, parce que ça, voilà, à un moment donné, on a tous compris au stade que dès le premier but, bah, c'était fini. En plus, le deuxième tombe juste après. Donc, c'est vraiment ces deux buts d'un coup. C'est terrible, c'est cette difficulté aussi pour le Sporting de marquer un but, c'est vraiment incroyable. Et voilà, à partir du moment où ces deux buts étaient inscrits, la messe était dite et c'était terminé. Ça ne se joue pas grand-chose pour eux. Défendre en reculant, voilà, là, ça vient de la deuxième ligne, Gundelmann qui n'en touchait pas une, hein, depuis qu'il avait rejoint. Il avait marqué deux buts sur toute la saison. De la Gantoise, et on voit ici, c'est beaucoup trop facile. Feinte au premier poteau. Il est complètement libre de tout marquage. C'est Guiagon, qui est un joueur offensif, qui est le plus proche de lui. Donc voilà, c'était une soirée cauchemardesque, mais il faut apprendre de cela. Et moi personnellement, j'ai plus envie de leur trouver des excuses. Ils sont au pied du mur. Ils vont commencer avec 5 et 6 points d'avance sur leurs adversaires. Et face aux mêmes adversaires pendant le championnat, c'est 11 sur 18. Oui, on va montrer ça dans un instant. Donc ça, Charleroi, voilà, il a fallu attendre la 8e journée pour avoir la première victoire. Sur les 7 derniers matchs, une seule victoire aussi. Ils sont finalement où ils doivent être. Je suis désolé. Oui, surtout pour une équipe qui, surtout, on voit chaque joueur individuellement, ils sont tous dans la réaction. Il n'y a pas un bloc équipe qui travaille. On voyait les images des infiltrations et des joueurs qui revenaient presque en marchant. Des joueurs qui ont été des cadres des saisons précédentes pour des très grands championnats faits à Charleroi. Alors, je pense que c'est le moment de réagir. Mais comment réagir? Comment on fait? Vous êtes le coach, vous êtes le staff, l'ensemble de la direction, le groupe des joueurs, il faut réagir ensemble. Ça, voilà, ce sont des mots, mais comment on le fait? Non, c'est facile, c'est toujours la réponse, elle est logique, il faut travailler. Il faut se regarder droit aux yeux, je pense que ça aurait dû sûrement déjà passer en interne. Le joueur, il doit s'enfermer aussi dans les vestiaires. Il y a un moment que c'est fini la direction, c'est fini le staff, c'est les joueurs qui montent sur le terrain et qu'il faut travailler vraiment ensemble. Et quand on dit travailler ensemble, ce n'est pas que des mots et des paroles, sinon vraiment de se mettre à bosser à l'intérieur et dire on laisse notre vie, notre peau sur le terrain. Et je pense que, allez, parce qu'on vise énormément la direction. Felice, il y a un communiqué des ultras encore aujourd'hui, très dur, et qui vise principalement Mehdi Bayat, même si bon, ils disent que c'est une responsabilité partagée, mais 95% du communiqué vise Mehdi Bayat. C'est pas le seul responsable. Hein. C'est clair. Il y a un staff énorme là, il y a un coach mental. Baisser les bras comme ça à 1-0 ou à 2-0, c'est qu'il y a quand même un problème concernant cela aussi. Donc voilà, c'est un nouveau championnat qui va commencer. Il faut oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et se sauver le plus rapidement possible. Les supporters seront derrière l'équipe, ça c'est une certitude. Ouais, même si dans le communiqué ils disent pour la saison prochaine, comme il n'y a que le pognon qui compte apparemment, les ultras qui ont quitté très vite le stade, hein, en courant de la deuxième mi-temps, bien avant le but d'OHL qui les plaçait en play-down. Là on est encore vraiment au cœur du match. Benjamin, je préfère ça, quitter le stade que de créer des problèmes. Mais non, mais dans le communiqué ils appellent les supporters à ne pas s'abonner tout de suite pour la saison prochaine, donc geler la reprise de leur abonnement. Ils appellent les sponsors à ne pas renouveler leur confiance dans le Sporting de Charleroi, et ils disent on ne pardonnera jamais cette saison. Ce sont des mots très durs, vous pouvez comprendre, Stéphane? Oui, je comprends. En même temps, je pense depuis le début que les équipes qui descendent, ce sont celles qui auront le mieux réussi à s'autodétruire.
Donc je pense, je les comprends tout à fait. Je comprends qu'il puisse y avoir une lassitude. C'est très très compliqué pour eux. En même temps, c'est une lapalissade. S'il y a bien un moment où l'équipe et le club a besoin d'eux, c'est bien maintenant. C'est justement quand ça va extraordinairement mal. Et ça n'a que rarement été à ce point la mal, et particulièrement avec Felice Mazzu. Voilà, le constat, tout le monde le fait. Mais alors, comment réagir? Comment rebondir? Vous avez des idées? Déjà, je veux dire, c'est un championnat bizarre parce qu'ils ont l'avantage d'avoir beaucoup plus de points que leurs adversaires. Ouais. Je pense que le premier match, c'est contre Molenbeek, si je ne me trompe pas, qui est exactement. Dernier. Charleroi-Rodem, et puis attention, Courtrai-Charleroi en deux. C'est ça, en deux. Bon, voilà, je dis, par parenthèse, il n'y a qu'une équipe flamande dans les quatre, et c'est à peu près celle qui est le plus en forme, en tout cas celle qui sort du meilleur résultat et largement. Moi, je n'ai jamais connu, en tous les cas, qu'une équipe wallonne en division 1. Donc, si jamais Eupen et Charleroi descendaient, moi, je n'ai pas de souvenir personnel. C'est quand même un petit peu surprenant que ce soit... Oui, ça papote dans les couloirs, beaucoup, effectivement. Peu, on est en direct, donc restez avec nous quand même. Pas très, très bien. Mais au-delà de ça, oui. En fait, le problème des supporters, c'est leur impuissance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'un supporter, par définition, supporte et n'est pas décisionnaire. Donc, c'est difficile. Je les comprends intégralement. Dieu sait si je pense qu'être supporter de Charleroi ou du Standard, c'est dur et difficile. Mais je pense que c'est du pipi de chat par rapport au fait des supporters de Molenbeek. Indépendamment de ça, s'il faut quand même aussi soutenir le club que l'on défend. C'est l'idée. Il faut agir, mais il ne faut pas s'autodétruire. On va écouter Felice Mazzu hier à l'issue du match au micro du Goderic. Et puis après, on parle aussi de Felice et peut-être sa capacité encore à réveiller son groupe. Malgré la défaite, on y a cru jusqu'au but de Louvain. Mais bon, quand on preste pendant 60 minutes comme on a presté aujourd'hui, parce qu'au-delà de ça, notre première demi-heure était bonne. Je pense qu'on était bien dans l'organisation, on était bien dans les duels, on a eu des situations pour mener. Malheureusement, on a galvaudé nos situations offensives et puis on s'est effondré complètement. Et on n'avait plus qu'à attendre et espérer que Malines fasse le résultat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La suite en play-down, comment vous l'abordez ? Écoutez, c'est tôt, hein. C'est très tôt d'en parler. Très honnêtement, là, on vient d'avoir un coup sur la tête. On va se reposer, on va y réfléchir et préparer ces play-downs au moment voulu de la meilleure des façons. Voilà, chaque chose en son temps, mais c'est vrai qu'on l'a vu marquer, hein, en fait, hein, Cécile. Au fur et à mesure de la saison, on pouvait quasiment lire sur le visage de Felice Mazzu le classement du Sporting de Charleroi. C'est vrai qu'il y a un moment où ça a été mieux. Ils ont enchaîné quelques résultats ou en tout cas quelques prestations encourageantes. Mais moi, ce que je trouve quand même difficile dans... Alors, on peut dire que Felice est le meneur d'hommes le plus incroyable du monde. Il n'y a quand même pas beaucoup de principes de jeu. Mmh. Et je trouve que ça, c'est difficile à Courtrai. Quand on regarde Courtrai, il y a des principes de jeu. Depuis l'arrivée du nouveau coach. Oui, ouais, mais donc à un moment... tactiquement, donc moi je veux bien, vous pouvez être le meilleur meneur d'hommes du monde, à un moment il y a des équipes qui travaillent tactiquement et donc il y a quand même quelque chose qui doit se mettre en place. Alors je ne dis pas qu'il a les joueurs pour jouer dans les principes qu'il aime, mais à un moment vous êtes coach de ces joueurs-là, donc il va falloir quand même apprendre à mettre des choses en place et arrêter de changer votre équipe 3-4 joueurs toutes les semaines, c'est quand même un problème. Il a quasiment toute la saison regretté le manque de vitesse hein, dans son noyau, et c'est vrai qu'il aime bien le bloc bas et repartir très vite, Felice, mais c'est vrai, ouais. Cécile a raison, il n'y a pas ces joueurs-là, bah comment on fait? On s'adapte aussi à son groupe à ce moment-là. C'est vrai, mais c'est un cercle vicieux aussi. On fait des changements pour essayer de trouver des solutions. Sûrement, ils ont essayé de mettre un modèle de jeu qui correspondait aux joueurs, mais tu perds et tu es relancé de nouveau sur quelque chose que tu ne crois pas forcément beaucoup, mais que tu dois l'adapter par rapport à tes joueurs. Alors, ils sont vraiment dans un cercle sans fin. Mais j'ai l'espoir, ou j'espère en tout cas, et je crois que Felice va être capable de gérer. Oui, la comparaison pour Courtrai, bien sûr que la tactique permet de gagner des matchs et à cause d'elle, on peut en perdre évidemment. Je pense quand même qu'à Courtrai, c'est l'esprit et l'état d'esprit. Et le coach est très fort dans ça. C'est vraiment un meneur d'hommes et les échos qu'on a du vestiaire, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que certes, la tactique, c'est important, mais c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. Je le pense, je ne suis pas sûr que Courtrai va se sauver. Mais c'est le point fort de Felice Mazzu, normalement. Normalement, s'il n'y a plus ça. Par rapport à la comparaison avec Courtrai, j'étais assez impressionné même par le rapport qu'il est parvenu à installer avec les supporters. Parce que il y a plein de problèmes à Courtrai, franchement, il y en a plein. Et un homme peut parfois beaucoup changer, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais ils partent de très très bas, c'est sûr. Là, ils ne sont plus derniers, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, mais ils partent de très bas. Mais en tous les cas, au niveau de la dynamique,
c'est celui des quatre qui est dans la meilleure dynamique et de loin. Après qu'il a pris 4 sur 6 contre Bruges, 4 sur 6 contre Anderlecht. Non, il gagne au standard aussi, il gagne en déplacement. Parliez, les équipes de play-off. Vous parliez de vitesse. Des cadors. Vous parliez de vitesse, c'est un attaquant, un véritable attaquant qui manque. Meilleur buteur, Guiagon. Guiagon, 5 buts. 5 buts avec Guiagon, alors qu'il a 5 attaquants. Et sur notre plateau, Mehdi Bayat le rappelait, on n'a jamais eu autant d'attaquants. Ouais. Mais ce n'est pas le problème, ça, finalement, d'en avoir plein. Vaut mieux en avoir moins, mais un prolifique. Et un véritable attaquant qui vous met entre 10 et 15 buts dans une équipe comme Charleroi, c'est 7, 8 ou 9 points en plus. J'aurais eu un grand 9, ou un bon 9. Un bon buteur. On rappelle que ça a été leur force, en fait, quand Charleroi était dans la première partie de tableau. Ils ont eu Osimhen, comme attaquant. Ils ont eu les deux attaquants du monde. Et ils ont eu Chamar Nicholson qui marquait des buts. Et puis Bayo, même après, marquait des buts. Et puis depuis le départ de Bayo, plus rien. Badji qui avait qualité, on le soulignait encore hier pendant le match. Mais c'est zéro but en championnat cette saison, Nico. Et c'est l'attaquant qui est choisi pour l'instant pour être titulaire. Mais bien sûr, mais c'est les grands problèmes. Parfois, on a des discussions. Maintenant, je suis un peu dans ce rôle-là. Quand on parle de la formation de un noyau, on essaye de chercher le nombre de buts nécessaires dans l'attaque. Mais c'est exactement ça que dit Philippe. C'est rien à voir dire « Oui, je peux avoir 30 buts avec mes attaquants en 5 attaquants » qu'avoir un attaquant qui est capable de marquer 20. Et les statistiques, là-bas, ils jouent un rôle important. Un attaquant qui a besoin de 5-6 occasions pour pouvoir marquer un but, un attaquant qui a besoin que de 2. Ça, on le voit dans les datas. Mais c'est hyper important. Et ça, on ne s'est pas acheté. Oui, on peut jouer un pari de dire « Ok, mon deuxième ou mon troisième attaquant, je joue parce que ouais, il a le potentiel pour devenir. » Mais un numéro 9, c'est… Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais… Il savait arriver à les faire dans les saisons précédentes. Oui, le filon s'est épuisé, visiblement, dans ce secteur-là. Après, voilà, sans ce but improbable d'OHL à la toute dernière seconde, on parle un peu d'autre chose pour le Sporting de Charleroi, qui jouerait donc les play-offs 2. On va revoir ce but qu'on a vu dans le sujet de Quentin, mais c'est vraiment un but de cours de récré, parce que ce sont deux équipes qui, à ce moment-là, dernière seconde du temps additionnel, doivent gagner. Malines doit gagner pour participer au Champions Play-off, OHL doit gagner pour se sauver, et Nico, ça se voit, c'est complètement coupé en deux. Regardez, 2 minutes de temps additionnel, c'est Malines qui attaque, 91-40. Si vous êtes supporter de Charleroi, vous dites, il n'y a plus, c'est bon, on est tranquille. Malines place 5 joueurs là, il y en a encore un ou deux juste derrière. Vous regardez, OHL, ils sont plus que 4 dans le rectangle, c'est-à-dire que tous les autres devant. L'inspiration de Leysen qui n'a plus le choix, qui relance très très vite. Et Malines, c'est trop tard, ils ont réagi trop tard, Nico. Ouais, mais au début de l'action, il y avait 4 joueurs de Mekelen contre 2 défenseurs de OHL. Les gardiens qui cassent 2 lignes de pression, on va dire, au dénombre des joueurs, pour pouvoir lancer en 2 touches. Ils arrivent de l'autre côté et l'action individuelle. Non, non, 2 minutes pile. Un joueur qui est aussi à côté. Une saison difficile, Singhi, la confirmation, le jeune attaquant formé au Crossing de Skarvik qui met son deuxième but de la saison, qui vient de rentrer, donc là aussi, quand je parlais de destin… Refusé à Charleroi. Oui, après… Mais y avait, moi j'ai eu quelqu'un au téléphone aujourd'hui, cette personne-là le voulait absolument, et on ne l'a pas pris. Oui, mais d'un autre côté, à OHL, on va vous dire, ou à Charleroi, on va vous dire, il a marqué que 2 buts cette saison et il n'est pas titulaire non plus à OHL. On parle ici sur… Il a plein de qualités, c'est pas ça. On parle ici sur un match qui est crucial, quoi. Ouais. Et de la vitesse. Et voilà. Mais ils l'ont refusé quand ? Il y a quelques temps. C'est-à-dire ? Il y a quelques temps. Quelques années, ça veut dire ? Bien sûr, bien sûr. Mais pas maintenant, quoi. Comme beaucoup sont passés entre les mailles du filet, là-bas. Oui, effectivement, en attendant, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi matière à réflexion pour former aussi un peu plus de joueurs qui viennent directement du Serail, du Sporting de Charleroi. Mais ça s'est joué tout ça à ça. Et voici le tableau des points des play-downs. On rappelle qu'on divise par 1. Donc on ne divise rien en fait, les points dans les play-downs. Donc on garde les points obtenus pendant toute la phase classique. C'est pour ça qu'il n'y a pas matière à paniquer pour l'instant pour le Sporting de Charleroi. 5 points d'avance sur Eupen et Courtrai. On rappelle que les deux derniers descendent directement et l'avant-dernier, donc pour l'antépénultième. Donc pour l'instant, Eupen jouerait un barrage. Il n'y a que 18 points en tout. Il n'y a que 6 matchs dans ces play-downs. Et regardez, les résultats dans la phase classique entre ces 4 équipes-là, ça donne ceci. Et là aussi, Charleroi est quand même l'équipe qui a pris le plus de points. Donc voilà, deux matières à rassurer les supporters, même si la dynamique peut tout d'un coup aussi s'enflammer d'un côté ou de l'autre. Ça peut s'inverser, Benjamin, tout à fait. Et avec comme Stéphane l'a dit, premier match Charleroi-RWDM, voilà, une victoire et Charleroi, normalement, serait sur le velours. Mais si le RWDM vient à créer la surprise et qu'il y a un vainqueur dans l'autre match, ça va batailler ferme jusqu'à la fin. Et ça, les joueurs doivent s'en rendre compte. Ils doivent balayer ce qui s'est passé jusqu'à présent.
Stéphane n'a pas l'air d'y croire trop pour le RODM qui créerait la surprise à Charleroi. Oh, je ne sais vraiment pas par où commencer. C'est tellement triste. Mais je me dirais, j'y pensais juste à l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de championnats dans le monde où le dernier, à la fin de la phase classique, peut encore se sauver. Même en Belgique, ça n'arrivait pas. Ils descendaient d'office. Donc, à la limite, ils peuvent se dire qu'ils sont des miraculés. Je ne sais pas par quoi commencer, là, pour faire court. Entraîneur qui a perdu des points, là, dans vos votes tout à l'heure, Bruno Irénès. Oui, là, La pire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, possible. Non, en plus, il a une attitude quand même très bizarre qui consiste à dire que la maladie était préalable et que lui, bon, il faut comprendre, il faut du temps, mais que tous les problèmes, c'est les autres. Il y a un truc extrêmement bizarre. Je n'en reviens pas. Je dis, le marasme au Cercle de Bruges, c'est du jamais vu. Je pense personnellement n'avoir jamais vu le Racing Winder de Molenbeek en division 1 aussi médiocre que ça. Les deux derniers matchs, ils sont balayés après un quart d'heure, en fait. Oui. Et parce que quand bien même, les joueurs qui sont à ce point-là, en dessous de leur niveau, on connaît leur niveau, on sait très bien qu'ils valent quand même mieux que ça. Je ne peux pas croire qu'ils le fassent exprès. Donc il est nécessaire, enfin indispensable, qu'un coach qui prend un point sur 15, qui encaisse 14 buts en 5 matchs, commence un tout petit peu à se remettre en question. Vous savez qu'il a donné une interview à Eric Lisbois, une interview qui dure une heure et demie. Mm-hmm. Une heure et demie. Le grill d'Eric Lisbois, toutes les semaines. Une heure et demie, très grande. Eric Lisbois, excellente intervieweur, par parenthèse, m'a permis de me le rappeler. À un moment donné, c'est du surréalisme. Donc, Bruno Irles parle d'une des rares satisfactions molenbeekoises, qui est Ilaï Camara. Et il dit, oui, je lui souhaite vraiment d'aller dans un autre club très vite. Et pourquoi pas la saison prochaine? D'ailleurs, je le lui souhaite. Donc, on a le coach du Racing Winder de Molenbeek. À propos du seul joueur consistant de la saison, il lui souhaite que dans 6 matchs, il parte. Franchement, ça s'additionne à un nombre incalculable de choses. Le fait que les gens... Enfin, plus personne ne se regardait droit dans les yeux, tant c'est terrible, en fait. Et je le dis... alors que ça peut être risible, mais avec une certaine émotion, parce que je trouve ça horriblement triste. Voilà. Même si, c'est une forme consacrée, il y a pire dans la vie, évidemment, mais si on est là tous les lundis depuis 19 ans, comme je le dis, c'est qu'on est quand même passionné. Vous savez, j'ai les défaites, tout ça, on accepte, les défaites cruelles, on les accepte, mais ici, il y a une dimension de ridicule, quand même, il y a quelque chose de... Enfin, de voir des joueurs à ce point-là, ne pas en toucher une demi, qu'après 2 minutes, boum, perdre le ballon de façon si ridicule, pour après un but qui tombe directement, où tout le monde, il n'y a pas un être humain qui se dit « Oh, ils vont revenir !» Enfin, c'est... Moi, je n'ai jamais connu ça. Et je vais même dire pire, je n'ai même pas connu ça pour d'autres équipes. C'est pour Molenbeek, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a d'autres choses que le foot, heureusement. Et ce n'est pas terminé. Et c'est ça qui est dingue. Voilà. À la limite, qu'ils se disent ça, il y a une équipe qui est dernière et qui peut se sauver, ça n'existe qu'en Belgique, qu'ils en profitent. Elle n'est jamais qu'à un point. Rien du tout. Allez, un petit prono. Je sais que tout le monde n'aime pas les pronos, mais quelles sont les deux équipes qui vont descendre et quelle est l'équipe qui va se sauver? RWDM et Eupen. Descendre? Ouais. Et Charleroi se sauve et Courtrai. Le classement reste? Oui, je pense la même chose. Classement reste. Nico. D'accord avec eux. Tout le monde est d'accord. Bon, un petit message à la Pro League, ça sert à rien de jouer les play-offs, ça ne va. Par contre, c'est un match quand même à risque au niveau supporter. C'est lui qui en casse les premiers buts le week-end prochain et aussi d'aller dans l'état mental. Ouais. Ne me donnez pas de mauvaises idées, vous. Non, mais pas pour les supporters, mais sinon, on a vu la réaction des joueurs sur le terrain dès qu'ils ont cassé un but. C'est... Ça va être dur. Ça ou l'agressivité, ça, la nervosité. Ouais, je vais juste rajouter une petite statistique, mais aussi très peu statistique. J'ai remarqué que quand... vous allez vous dire, je fais une petite obsession, mais quand Xavier Mercier était titulaire... C'est une petite obsession quand même. Hein, oui. Non, mais il y a un truc incroyable. Il a été très, très peu titulaire. Ouais. 16 points sur les 23 pris. Le nombre de matchs où il n'est pas titulaire, 7 points qui sont pris. Ouais, j'avais fait le calcul la dernière fois que vous en aviez parlé. Ouais. Ouais. Ouais, ça, vous ne comprenez toujours pas. Non, et même le reste, je crois avoir compris, si j'ai bien entendu, qu'il a demandé à pouvoir parler au coach, ça fait une semaine qu'il a demandé, et bon, je ne sais pas ce que le coach fait pour ne pas lui parler, c'est bizarre. Il était occupé par le grill d'Éric Lisbois. Il a préféré parler de lui pendant une heure et demie à Éric Lisbois. Dernière chose, à la place de Felice Mazou, vous recevez le REDM qui est très malade, on a bien compris. Stéphane, vous jouez comment? Vous gardez cette organisation-là à laquelle il semble attaché ces dernières semaines, bloc bas, à domicile contre le REDM, vous faites quoi? Quel style de tactique vous mettez en place? Si vous êtes Felice dans 2 semaines. Il va aller chercher les matchs. Comment? Offensivement. Offensivement. Ouais. Bien sûr. Ah oui. Ah oui. Charleroi en est les moyens. Ah, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils doivent jouer. C'est sûr. Bah, il a tout intérêt à le faire.
Il a tout intérêt à le faire. Trois points pour se mettre à l'aise. Mais comment? Il faut pas jouer bas. Il joue à domicile face à la pire équipe du championnat. Et il a dit. Convaincu de ça parce que je vous vois réfléchir quand même, Cécile. Non, je réfléchissais avec quelle attaque, du coup, quelle ligne offensive vous jouiez. Parce que moi, j'aime beaucoup Bernier. Quand il est là, mais du coup il faut quand même pas se désorganiser tout à fait. On sait jamais, vous prenez un contre. Mais je pense qu'il doit aller chercher. Mais le problème de Charleroi, c'est qu'il y a pas de contre-pressing non plus. Donc en fait, dès que leur ligne offensive est passée, s'il y en a cinq, ils sont dans les difficultés. Donc je trouve que c'est compliqué parce qu'il a là deux semaines pour mettre un peu quelque chose en place où ils peuvent aller chercher les autres équipes plus offensivement. Dès qu'il le fait, ça fonctionne, mais il ne sait pas le faire plus qu'un quart d'heure, donc c'est quand même un problème. Ouais, et puis récemment, exactement. Il suffit d'avoir un corner contre Molenbeek et c'est goal. Hein, donc un corner, ça suffira. Hein. Ouais. Trois corners, un but, comme dirait Vincent. S'il y a un membre du public qui peut consoler tout Stéphane, va bien. Nous, on va continuer l'émission pendant ce temps-là. Et notamment, montée de play-off. On passe aux européens de play-off. Nous, on dit play-off 2. Comme ça, tout le monde comprend directement. Avec le Standard, évidemment, qui aura un petit coup à jouer. Mais on voulait d'abord, justement, à propos du Standard, rendre un hommage à Léon Semelin, un des joueurs emblématiques du Standard décédé. 15 sélections. Entendu. À l'époque, il était ailier droit, Léon Semelin. On le surnommait le petit Léon parce qu'il mesure 1m69, mais c'est un géant de ce Sclessin qui donne ce coup d'envoi-là avec Christian Piot à l'époque. On a vu, je pense, Julien Dessart qui portait encore le maillot du Standard. Il est décédé à 84 ans. À 16 ans, il jouait déjà en équipe première de Visé. D'ailleurs, des joueurs de Visé, je pense, dans le public. Donc sachez-le, équipe première de Visé à 16 ans, ça peut vous mener très très loin. Et notamment, pas loin, Sclessin, 15 saisons au Standard, 450 matchs environ, 35 sélections avec les Diables, 2 buts. Il a joué la Coupe du Monde 70, l'Euro 72, le seul joueur du Standard, et ça c'est important de le rappeler, avoir gagné 5 titres avec le Standard de Liège, 2 Coupes de Belgique aussi, il en a été le capitaine. Donc un petit peu d'applaudissements. Tous les hommages qu'il méritait parce qu'il était tellement discret, mais c'est une légende de Sclessin qui nous a quittés. Stéphane, vous en rappelez, vous avez des souvenirs ? C'est sans doute, vous êtes optimiste par rapport à mon âge, mais c'est évidemment la légende absolue, une des légendes absolues de Sclessin, et qu'il y en a eu plusieurs. Il était toujours là, enfin jusque très très tard, il venait voir systématiquement les matchs. Il était très souvent avec Christian Piot et Jean Tissène, ils étaient ensemble, et quelques autres encore, mais c'est une légende totale, évidemment. Mais j'ai quand même peu vu jouer, pour être honnête, malgré mon grand âge. Oui, bon, grand âge. Bon, en attendant, on va se replonger dans le match de samedi, la victoire assez facile contre Eupen 4-0. Et toujours cette question, depuis le début de la saison, on a l'impression, avec ou sans William Balikusha ? Avec ou sans William Balikusha ? Avec. Oui, mais ça, c'est facile après son meilleur match. J'adore. Pourquoi avec ? Ouais, parce qu'il donne une autre dynamique, il a des courses qui sont hyper intelligentes. C'est un joueur qui a besoin de confiance de l'entraîneur, il dit qu'il est dans le dynamisme. Je lance la palette pendant que tout le monde en parle. Comme ça, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour montrer qu'il est technique, qu'il va vers l'avant. Mais voilà, on a compris. Nico, Stéphane, avec ou sans ? Il était décisif, mais aussi avec deux attaquants devant lui, donc qui sont des attaquants qui se sont révélés complémentaires. Donc avec quand même, oui. Mais dans ce système-là, Philippe, toujours avec ou parfois sans ? Quand il évolue de la sorte, toujours avec. Sauf Kens, il est passé à côté lors de quelques rencontres, et là ça se voit automatiquement aussi. C'est intéressant parce qu'on lui permet de se balader à gauche, à droite, et je pense qu'il en a besoin d'avoir cette liberté-là. Ici on le voit à droite, il y a 2 secondes on le voyait à gauche, et ça veut dire qu'il peut diriger le jeu, on le voit, il parle beaucoup, il montre, il fait circuler le ballon, il est vraiment intéressant. C'est peut-être cette liberté-là qu'il n'avait plus en début de saison. Mais regardez ce genre de truc, ça fait du bien quand même à Sclessin. On a parfois dit que ça manquait de qualité. C'était open. Ouais. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'ils sont dans le trou le plus total, et qu'un gars avec les qualités et la classe de Balikusha va toujours montrer des choses intéressantes contre ce genre d'adversaire. Premier but de la saison lors de la dernière journée de la phase classique. L'an dernier, il en avait terminé avec 6 buts et 5 assists sur l'ensemble de la saison. Il avait été titulaire quasiment toute la saison, le meilleur joueur peut-être du Standard la saison dernière. Ici, saison en dents de scie, 5 fois titulaire lors des 5 premiers matchs. Puis
plus grand chose. Et puis titulaire lors des 4 premiers matchs de 2024, donc l'écho a essayé de le relancer. Et puis sur le banc, 4 fois d'affilée. Donc voilà, on ne s'est pas encore où se situer par rapport à la saison de William Balikusha. Il y avait une césure avec ce match à Eupen où, ouais. où très clairement le coach de l'époque n'avait pas apprécié la façon dont il était monté. Il était directement responsable d'un but. À domicile face à Malide aussi. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu d'autres matchs où vraiment, notamment, il avait relancé contre Westerlo à domicile. Ça n'avait pas marché du tout. Je pense vraiment que plus qu'un autre, en tous les cas, je crois qu'il a... Ça se passe au moral et il a besoin d'être aimé et apprécié pour ce qu'il est. Donc voilà, il y a des joueurs plus que d'autres qui ont besoin d'être aimés. Il y a des joueurs qui s'en fichent. Je ne sais pas si Philippe avait besoin d'un câlin de son coach. Vous aviez besoin, vous, d'un peu d'amour de votre coach à l'époque ou pas? J'en ai eu rarement quand j'étais gamin, donc comme footballeur, imaginez-vous. Je l'adore. À la question humoristique, il a répondu profondément. Ouais, mais je sais, ça m'a ému. Donc ouais. Je tourne la tête, vous me connaissez. Nico, vous fonctionniez à l'amour d'un coach aussi ou pas? Non, surtout un peu dans la dispute. Ah ouais, ouais. Quoi, ouais. Conflit avec le coach, ça vous faisait mieux jouer? Ouais, mais très honnête et très franc et de me piquer et sortir tout ce que j'avais. Et vous, Cécile? Non, moi j'avais besoin qu'on me donne des responsabilités. Ok, donc trois profils différents, c'est bien la preuve qu'on ne traite pas les joueurs de la même façon. Toutes les questions que vous avez posées, en fait, je pense personnellement que c'est ce qui définit un grand coach. Le grand coach est celui qui va être capable de savoir ce qui doit être pour tout le monde. Et il y a des cas particuliers, et c'est dans sa capacité à les gérer. Je pense, par exemple, que la façon dont Guardiola gère De Bruyne est vraiment admirable. Il fait des choses très particulières, spécifiques, et ça fonctionne, mais c'est vraiment du management, en fait. Mm-hmm. Et d'ailleurs, de nouveau, donc Phil Jackson, donc une de mes grandes idoles, qui était capable de gérer à la fois Michael Jordan... Coach légendaire de basket, pour ceux qui sont un peu moins... Oui, je rappelle. Oui, et qui est quelqu'un qui est... Voilà, la façon dont il explique, dont il a géré Dennis Rodman, qui était sans doute le personnage le plus atypique de l'histoire de la NBA, c'est vraiment une leçon. Et il parle de la tactique, d'ailleurs, il parle de l'attaque en triangle, il parle de la tactique, il dit que c'est important. Mais à ses yeux, c'est tellement moins important que la gestion humaine, émotionnelle et psychologique d'un groupe. Voilà, il pouvait permettre à Dennis Rodman de faire l'une ou l'autre sortie bêtise un peu plus qu'aux autres, parce que les autres joueurs aussi avaient compris que sans Dennis Rodman, il n'aurait peut-être pas eu la bague. Mais c'était sa façon de l'expliquer aux autres aussi. Exactement, et que tout le monde puisse trouver ça juste à un moment donné. Dans un vestiaire, ce n'est pas toujours évident d'avoir des traitements de faveur ou pas, Nico. Hein, c'est pas très évident. Difficile. Très difficile, sauf si un joueur qui sort du lot et qu'on peut tout le permettre. Klopp l'a souligné il y a, je pense, une semaine, 10 jours, que dans les vestiaires de Liverpool, il avait dit à tout le monde, il y a quelqu'un qui s'appelle Messi ici? Non, alors tout le monde défend. Ouais. Voilà. Exactement, c'est un peu sur le plateau ici. On n'est pas pareil avec tout le monde sur le plateau. Je vous regarde. Non, je ne suis pas pareil avec tout le monde. Stéphane, n'ose pas vous regarder dans ces cas-là. C'est rigolo. En attendant, les autres buts du Standard. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose et c'est maintenant qu'il faut la poser. Ce Standard-là qui sort d'une victoire, qui s'est sauvé à l'avant-dernière journée de la phase classique, il est capable de quoi dans ces play-off 2 avec lesquels il partira avec 7 points de retard sur Gand? Tout va dépendre de ce qui va se passer par rapport à la saison prochaine. Si le Standard évolue comme ils l'ont fait contre Eupen, je reste persuadé que Gand s'en sortira. Mais ils ont les qualités pour ennuyer plusieurs adversaires. Mais voilà, il y a des joueurs en fin de contrat, il y a des prêts. Si vous voulez préparer la saison prochaine, quitte de ces joueurs, vous continuez avec ou pas? Si c'est pour préparer la saison prochaine, ils ne doivent pas être présents quoi, dans l'équipe. Donc, pas de promesse, dit l'écho, par rapport à un éventuel ticket européen. Je ne peux pas faire cette promesse-là. C'est vrai qu'ils partent de loin quand même. Après, il y a des choses qui commencent à s'installer. Mais là aussi, le duo Kanga et Boa, la semaine passée, on disait ça n'allait pas du tout. Il y a 2 semaines, c'était bon. Ici, c'était à nouveau meilleur. Il essaye quand même d'installer quelque chose, Ivan Leko. Oui, mais comme Phil le soulignait, c'était contre Eupen. Il faut voir des autres matchs plus costauds, peut-être avec une seule point d'attaque et avec deux joueurs autour, des différentes. Mais il essaie, il a joué longtemps avant aussi, même à l'époque à Bruges, avec 2 attaquants. Et il aime bien, je pense, surtout avec des pistons qui montent en permanence et des joueurs qui ont une certaine liberté. Ouais, moi, je pense que, comme vous l'avez dit, ça dépend un peu les premières semaines, les résultats, pour voir si après il commence à faire des essais pour la saison prochaine ou il va chercher quelque chose. Mais ça va dépendre des premières 2-3 journées. Bah, d'un autre côté, on saura vite. Hein. C'est Gand Standard le vendredi de la première journée de play-off. Donc, si le Standard venait à perdre à Gand, c'est quasiment désespéré pour y croire encore. Je crois qu'ils ont 3 déplacements dans leurs 4 premiers matchs. Oui, et donc ça on aussi, rappelle, hein, pour ces play-off 2, il n'y a que le vainqueur qui peut encore obtenir via un barrage avec le 4 ou le 5e. C'est bizarre.
des play-offs, un qui peut encore aller chercher quelque chose, parce que les cinq autres équipes n'auront rien. Il n'arrête pas de le dire, Nico, qui prépare la saison prochaine. Oui. Donc Vous avez l'impression que c'est une façon de se dédouaner déjà de ce qui va se passer ? Non, mais il n'y a pas de raison qu'ils investissent outre mesure. Enfin, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Enfin, je pense qu'ils devraient le faire, attention, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire. Il enlève la pression, tu dis. Il enlève la pression et je pense qu'il est vraiment dans une optique, on prépare la suite, on verra ce qu'on me donnera, mais on prépare vraiment la suite. Il le dit depuis déjà 3-4 matchs. La direction l'avait dit aussi. La direction avait dit qu'il ne voulait vraiment faire jouer que des joueurs qui étaient censés être concernés par la saison prochaine. Ouais, concernés par la saison prochaine. On va devoir faire jouer des joueurs qui vont devoir vendre. Oui, et c'est bizarre, c'est paradoxal d'avoir dit ça. Juste une chose, on est tous d'accord pour dire que cette formule était quand même extraordinairement excitante et ce qui vient de se passer est génial. Ça va être, franchement, les play-offs 1, même si l'Union a beaucoup d'avance, ça va encore être passionnant. Les play-offs 2, ça va quand même être un tout petit peu bizarre, je le crains. Et les play-downs, il y a quand même un petit côté voyeurisme de tous les errants qui ont vu. Il y a un petit côté film d'horreur. On vient voir le spectacle. D'un autre côté, dans un championnat classique, il y a plein de matchs de ventre mou qui ne servent à rien. Quoi. Donc on s'y retrouve sans doute là. Mais vous avez entendu, on commence à écouter les sorties de différents clubs et des directions de différents clubs qui se sont rencontrés de manière informelle, 8-9 équipes importantes de notre championnat. Pour se dire, les quatre équipes en play-down, c'est trop, ça met beaucoup de stress sur tout le monde, il faut changer ça, peut-être à 14 encore, la division des points par deux, personne ne l'aime. Finalement, vous aimez ou vous n'aimez pas ? Vous trouvez ça normal qu'on puisse réduire les équipes concernées par les play-down ou pas ? Voilà, ce qu'on a vécu hier, c'est grâce à ça aussi. Bien sûr que oui. Personnellement, je trouve que la réduction des points par deux, apparemment tout le monde le sait, c'est pas une question de justice ou d'injustice, mais ça rend valables les play-offs. Et voilà, personnellement, dans les sports américains, on repart de zéro, ce qui est évidemment tout à fait exagéré, bien entendu. Mais malgré tout, je pense que c'est ce qui fait le sel de tout ce qu'on a vécu et qui rend les play-offs très excitants. Sur les quatre équipes en play-down, vous trouvez ça normal que les clubs disent « Ouais, mais non, mais ça, c'est trop, on va changer la formule » pour quelque part se protéger eux-mêmes. Je trouve honnêtement bizarre que le dernier puisse se sauver, franchement. C'est l'inverse, en fait. Oui. Voilà. Je trouve ça bizarre. Trop d'équipes concernées par la descente ? J'aime pas les play-down, mais par contre, je n'aime pas non plus diviser les points en deux. Okay. Quand tu vois l'Union Saint-Gilloise, l'effort qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, en Coupe de Belgique, être première avec autant de points, c'est mérité garder le nombre de points qu'ils ont gagnés sur le jouer les play-offs, mais sans division des points par deux. On s'ennuiera moins avec les matchs de play-down qu'avec les matchs de Europe play-off. Oui, ça c'est sûr. Les équipes seront concernées lors de chaque rencontre. Ça dépend toujours qui vous supportez. Voulez voir champion et qui. Prendre un peu de temps. L'idée, c'est justement. Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a des années où vous dites, il y a 3-4 équipes qui mériteraient, donc on recommence avec le même championnat. Et puis il y a des années où vous dites, il y a une équipe qui est vraiment plus forte pour la phase de la classique. Et donc en fait, c'est pas juste. Et donc je trouve que, ça va être excitant jusqu'au bout et c'est un peu le principe. Donc en fait, moi, je suis pour. Je trouve que ça personne n'a répondu à ma question sur quatre équipes, c'est trop ou pas concerné par la descente. Moi, j'ai dit. Pour moi, c'est trop. J'aime pas les play-down. Ouais. Pour moi, l'équipe qui est dernière elle doit descendre. Mais un descendant, deux descendants, parce qu'à un moment donné, moi, il y a suspense, moi, c'est passionnant. Mais cette histoire de 14 et 16, ils veulent tomber à 14. Peut-être, c'est encore en discussion. Je ne pense pas qu'il y ait quatre équipes. Quatre équipes, ça me plaît, moi, franchement. Ouais. Ça augmente le suspense. Alors, mais voilà, je trouve ça marrant qu'on demande au Standard et à Charleroi de participer à ces discussions sur les quatre équipes défendantes, alors qu'elles ont quand même été bien concernées cette année. Oui, mais je pense que c'est pour concerner toutes les régions du pays. Et comme Stéphane a dit, il n'y avait que trois clubs wallons, dont un germanophone, avec Eupen, Charleroi et le Standard. Mais c'est vrai que cette saison, c'est particulier. Évidemment, regardez, dans ces European Playoffs, voici le classement. Là, on divise par deux, comme pour les Champions Playoffs, d'ailleurs. Et voici le classement. L'astérisque, on rappelle, c'est parce qu'on a arrondi à l'unité supérieure. Donc, en cas d'égalité, ces équipes-là, en cas d'égalité avec des équipes qui n'ont pas l'astérisque, qui n'ont pas l'arrondi à l'unité supérieure, elles seront dépassées. Par contre, en cas d'égalité entre Gand et Malines, c'est Gand qui sera devant, parce que c'est devant en phase classique. Vous parlez du Standard, ils doivent aller chercher trois équipes quand même. C'est beaucoup. Hein, au-delà des 7 points, c'est aller chercher les équipes. Regardez, on n'a pas fait le calcul pour tout le monde. On vous le propose pour les favoris. Gand, Malines, Saint-Trois,
Saint-Tron, on est d'accord. Et puis le Standard, c'est Saint-Tron qui a pris le plus de points dans les confrontations directes dans ces European Playoffs. Donc pourquoi pas, Saint-Tron crée la surprise avec son synthétique, hein, qui est quand même là aussi un élément particulier, parce que c'est difficile de s'y déplacer. Des c'est jeunes le seul Belges, match. Des jeunes Belges. Cinq jeunes Belges formés à Saint-Tron dans cette équipe qui est récompensée. Malines, qui est l'équipe qui aligne le plus de Belges aussi cette saison, qui a failli aller en Champions Playoff, ça s'est joué un peu à la dernière journée de championnat. On passe maintenant, on est un peu entre tous les playoffs, dans cette fin de match qui fait débat depuis hier entre Westerlo et Genk. On l'a vu dans le sujet de Quentin, à ce moment-là, c'est un partout. Genk vient d'égaliser, alors qu'ils sont à 10 sur le terrain, ils viennent d'égaliser à Westerlo. Et ça, on est dans le temps additionnel. Il y a eu un blessé soigné. Ils en ont profité pour se dire, les gars, on arrête de jouer. On rappelle qu'à ce moment-là, ben Westerlo est sauvé parce que c'est terminé à Gand-Charleroi. Donc Westerlo, pourquoi arrête-t-il de jouer? On ne sait pas. Et Genk, en cas de défaite, repasserait en European Playoff. Donc, une sorte d'accord tacite. Plus personne ne joue. Et finalement, le dindon de la farce, c'est la Gantoise, qui aurait espéré que Westerlo joue le coup à fond jusqu'au bout. Un match de foot, ça se gagne jusqu'au bout, surtout quand il n'y a pas de stress à encaisser un but, parce que ça changeait juste un demi-point au final en cas de défaite pour Westerlo. Est-ce que vous comprenez ou pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas la situation, surtout quand je vois qu'il y a un joueur de Genk qui va parler avec un joueur de Westerlo, l'entraîneur qui rigole au bord du terrain. Il y avait de l'autre côté des équipes qui jouent énormément de choses aussi, alors... Stéphane, je vous vois froncer les sourcils. Mais moi, je trouve que... Alors, je sais très bien que, voilà, ils ont été intelligents, ils ont été malins, etc. Je pense que on ne peut pas, comme ça, salir le sport qui vous a tout donné, et en ricanant, en plus en rigolant. Alors, certains m'ont dit, oui, mais parfois, ils sont un peu pas fair-play parce qu'ils coincent le ballon contre le piquet de cornet ou ils gagnent du temps. Mais ça, c'est contre l'adversaire. Je veux dire, c'est pas très fair-play, mais c'est du jeu. Ça, c'est pas du jeu. Et vous savez qu'on a travaillé assez avec Hein Van Azebroek, et personnellement, je l'aime beaucoup. Je suis très d'accord avec tout ce qu'on l'écoute, et puis on continue la discussion. On va aussi aller chez Lancelot, parce que forcément, c'est un des débats du week-end. Hein Van Azebroek. Westerlo était sur le point de gagner. Ils prennent, ils encaissent un but, et puis par après, ils jouent plus. Ça m'a quand même étonné. J'ai jamais vu ça depuis des années. Une équipe qui est paralysée, où les joueurs ne peuvent plus bouger, le coach qui dit tout le monde s'arrête maintenant, et on laisse passer le temps, 7-8 minutes, où rien ne bouge, l'arbitre mal à l'aise, même j'avais l'impression les joueurs un peu mal à l'aise aussi. Et c'est vraiment dommage pour le public de Westerlo. Hein. Ils auraient peut-être pu faire la surprise, tout le monde aurait pu parler de Westerlo d'une manière positive, et maintenant je crois que tout le monde va parler de Westerlo d'une manière négative. Et j'ajoute en plus un truc, c'est que Westerlo joue à 11 contre 10. Oui, je l'ai dit. Hein, oui, non, oui, mais, oui. Mais et justement... Et Einen est blessé sur le terrain, donc c'est presque 11 contre 9. On le voit très bien, oui. Quand il marque d'ailleurs, il souffre même en marquant. Et je trouve qu'il y a un côté... En plus, ça a bien ricané, comme ça, il y a un truc... Tout est quand même extrêmement déplaisant, et c'est surtout ce côté où nous on est les malins, vous êtes un peu les cons. Mais malin pourquoi? En fait, moi je ne comprends pas. Que quelqu'un m'explique en quoi Westerlo rien. Que gagne Westerlo dans cette histoire? Ça rien du tout. Westerlo, c'est invraisemblable, parce que de toute façon ils peuvent être battus, ils pouvaient juste être dépassés par OHL, mais rester en Europe. Et s'ils gagnent, ils en gagnent deux de plus, et ils sont à 11 contre 10. Donc vraiment, ils se sont, je trouve quand même, assez bien salis pour pas grand chose. Westerlo avait envie que Genk se retrouve en Champions Playoff, c'est tout. Et pourquoi? Ça, il faudrait leur demander. Et pourquoi, selon vous? Parce que la proximité, peut-être, l'amitié entre certains. Ça, on n'est pas au courant de tout cela. De façon si visible. Au niveau de l'éthique, c'est absolument scandaleux. Mais ils auraient peut-être dû le faire plus intelligemment. Moi, ce que je reproche à Hein, c'est qu'il est chargé de 1000. Oui, il a dit le passé, sans doute brugeois. C'est pas très correct de sa part. Oui, en attendant, chacun est quand même un peu responsable. C'est pas très correct. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de corruption dans son discours. Il a chargé 2000. Ah, non, il a dit, je crois avoir compris qu'il l'a dit, on le retiendra pour ça. Là, je suis d'accord avec lui.
Il m'a dit on le retiendra pour ça. Moi, personnellement, je n'aurais pas retenu grand-chose de Rick de Mille. Il a quand même dit qu'il y avait probablement eu certains arrangements. Donc, c'est limite parler de malversation. Ils ont dit sans doute qu'il y a eu des discussions. Il y a eu peut-être des discussions avant de le match. De toute façon, si discutant, il y a eu des discussions. Écoutez, il y a un moment où Kayembe donne le ballon à Vazen et Vazen fait un peu mine de faire quelque chose et il s'est fait engueuler par des joueurs de gang. Donc oui, ils se sont mis d'accord. Bien sûr qu'ils se sont mis d'accord. Mais ça ne va pas. Bien sûr, ça ne va pas. Parce que le parquet fédéral pourrait intervenir. On n'est quand même pas loin de la falsification de la compétition. En fait. Sauf qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Excusez-moi, ils se sont mis d'accord. Donc ça ne s'est pas permis. Hein, non, c'est pas permis. À partir du moment où c'était 1-1, avant cela, le match était... Mais bon, Philippe... Oui, mais parce que ce résultat pouvait ne pas arranger Genk si Malines s'imposait. Mais donc, c'est quand Malines a perdu que Genk a dit « C'est bon, les gars, on va arrêter de jouer maintenant. » Mais il n'y a pas eu d'argent échangé, ce n'est pas la question. Mais ils se sont arrangés. De toute façon, à partir du moment où on choisit d'être d'accord avec son adversaire, franchement, par rapport au foot qui vous a tout donné... Et en rigolant comme ça, bon, écoutez, franchement, si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux. On a aussi le droit de ne pas être très à l'aise avec ça. Ce que j'ai entendu, il aurait fait pareil à Van Azebroek, peut-être dans la situation de Genk, peut-être, parce que finalement, Genk, c'est vrai, avait beaucoup à perdre plus que Westerlo. Finalement, on peut un peu plus comprendre Genk, mais Westerlo, personne ne comprend pourquoi ils ont fait ça. Cécile, je ne vous ai pas entendu. Non, moi je trouve ça scandaleux, je comprends pas, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il dit dans le règlement qu'ils ne peuvent pas faire ça? On ne peut pas s'arranger sur un résultat. Ça, c'est la base du sport. Sinon, on arrête d'en parler. Non, c'est une blague ou quoi? Non. Je voudrais... Si deux adversaires s'arrangent dans n'importe quel sport, c'est intéressant. Je rappelle qu'on ne peut même pas offrir un incitant à quelqu'un pour gagner un match. Il n'y a pas d'incitant. Là, on ne parle pas d'incitant. Oui, mais même pour gagner, alors que la victoire, on la maîtrise moins que la défaite. Si on veut faire quelque chose... Le ballon, le but est vide. Il peut marquer, il ne le fait pas. Non, mais il n'a pas le droit de le faire. Enfin, l'idée c'est que si jamais quelqu'un va contre les intérêts de son équipe pour des raisons qui sont genre l'intérêt supérieur ailleurs, ça n'est pas permis. Mais là, c'est pas contre l'intérêt de son équipe. C'est ça qu'ils ont décrété. Je dis pas, attention. L'équipe doit gagner, comme c'est un peu l'idée. Mais là, ils ont décidé que l'intérêt de son équipe, plus c'était pas de gagner. Mais pourquoi? Je parle d'une question de règlement. Je parle pas d'une question d'éthique et de. Ils n'ont pas décidé ça pour l'intérêt de leur équipe. Ils ont décidé ça pour faire plaisir à l'équipe adverse. Puisque eux, ils n'ont rien gagné. Je suis d'accord, mais donc. Ce serait quand même intéressant de voir au niveau vraiment légal, c'est quoi les points de règlement qui disent vous pouvez pas le faire. On ne peut pas s'arranger sur un résultat, ça c'est sûr. Ouais, contre quelque chose, contre incitant, contre machin. En attendant, je pense que ça. On n'a pas fini d'en parler si vous avez encore des choses intéressantes à dire, mais dans ce aussi, visiblement, ça réagit chez vous. Exactement, mais c'est le sujet de discussion ici au-dessus. Alors Luc nous dit ce qui est dérangeant, c'est que ça se passe de manière aussi évidente. D'autres équipes l'ont fait par le passé, mais de manière plus maligne. Bon, c'est vrai qu'on a tous en tête des souvenirs de matchs où ça a pu arriver. Christophe nous dit s'ils peuvent être poursuivis, quelles sanctions leur appliquer? Est-ce qu'il faut une sanction sportive ou financière? Je pense qu'il n'y a que la sanction sportive qui pourrait marcher là-dessus. Enfin, moi, je réponds à la question de Lancelot, mais sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour donner 5000 balles à la Pro League, on s'en fout, nous. Hein. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, disons les choses comme... Nous, on est là pour avoir les ingrédients qui font qu'on aime bien le sport, du suspense jusqu'au bout, notamment des mecs qui se battent jusqu'au bout. On sait que ce n'est pas toujours le cas. On sait évidemment qu'on nous ment de temps en temps, mais là, quand même... C'est trop flagrant. Il y avait des ricanements. Il y avait un truc témoin d'un truc qui était d'une mocheté totale. Comme si c'était des enfants qui étaient pris un peu la main dans le pot de confiture. Et en plus, il y avait ce sous-entendu, on est quand même des malins, quoi. Eh ben, franchement, je dirais... Voilà. Philippe, vous alliez parler avant Lancelot. Oui, non, mais je pense qu'on va avoir des images d'un match où c'était encore pire que ça, si ce qu'on m'a dit. Oui, je pense que finalement, comme on avait beaucoup de choses, on n'a pas mis les images, mais on peut rafraîchir la mémoire. Coupe du monde 82, Autriche-Allemagne, et à 1-0, un score qui arrangeait les deux. Non, mais là, ça n'a pas duré 6 minutes. Hein. Et c'est à cause de ça, que depuis lors, la dernière journée des phases de poule se passe toujours en même temps, à la même seconde, c'est à cause d'eux. Parce qu'avant ça, c'était différencié. Et comme l'Algérie avait déjà joué, ils ont constaté que l'Allemagne et l'Autriche, en plus, quel symbole bizarre, s'étaient arrangés pour donner exactement le résultat qui qualifiait les deux. Mais excusez-moi, c'était franchement une insulte pour le sport, mais la
je dirais que la motivation, on la comprenait. Là, les deux équipes étaient les deux. Et on a appelé ça le match de la honte. De la honte. Alors que là, les deux équipes étaient avantagées. Ici, même pas. Pour en revenir à cela. C'est la honte de la honte, pardon. Ayn, on l'aime, on le déteste. Et moi, j'ai choisi. De par ses déclarations, moi je l'adore aussi, voilà. Mais de par ses déclarations, peut-être que dans un passé plus ou moins récent, quelques déclarations ont été faites à l'encontre de Westerlo ou de Genk, et qui finalement se retournent contre lui. Ce serait personnel, donc. Voilà, peut-être. Je sais pas. Ouais, ou les directions, ou on ne sait pas. Hein. En attendant, il faut à un moment donné réagir. Bah à oui. Ces images-là, il faut que ce soit plus net, à un moment donné qu'on dise, les gars, en fait, c'est pas permis hein, de faire ça. Ce n'est pas autorisé. Ça doit passer quelque chose, en tout cas. C'est impossible qu'il ne bouge pas. Ah, mais vous allez faire quoi, Benjamin? Une déduction de points? Moi Non, mais je veux dire... je le dis. Non, mais une déduction de points. Tous les deux. Mais quoi, pour l'année prochaine? Si le parquet fédéral intervient. En début de saison, le parquet est intervenu. Oui, mais... Ouais. Ben, c'est eux qui ont les cartes en main. Et je ne sais pas quel est effectivement leur pouvoir décisionnaire par rapport à ça. Stéphane. Bon, vite, hein, il y a deux semaines. Ils ont deux surtout, semaines. C'est surtout le rapport qu'on entretient avec... voilà, enfin, je veux dire, c'est une valeur, quoi, je trouve. Je trouve qu'ils se sont essuyés les pieds sur une valeur. OK, et il n'y en a déjà plus beaucoup dans le foot. Mais là, ça en est une vraie, quand même. Ouais. Je veux dire, ils aiment quand même... Enfin, ça leur a tout donné, le foot, quand même. Mm-hmm. Ils ont une vie magnifique, ils ont une vie exceptionnelle grâce à ça. Ben alors, non. Hein. Mais il y a Gand, quand même, qui va présenter plainte, j'imagine. J'imagine qu'ils vont essayer de bouger aussi pour... je ne sais pas avec quelles conséquences, ouais. Ça. Comme le dit Philippe, ils ont deux semaines avant les premiers matchs de play-off, même si le calendrier est tombé. On va encore parler, évidemment, des affiches du week-end, du suspense qu'il y aura en Champions play-off. Mais on va faire un petit point sur les chiffres de cette phase classique. C'est d'ailleurs l'objet du dossier de Vincent. Ça va, Vincent? Salut. Ouais, ça va, vu, c'était chaud. Wow. Hein, parce que, oui. Ben oui. Ben, j'étais avec Lancelot, c'est vrai que c'est le sujet de conversation numéro un. Ouais, et effectivement, pourtant, ça ne concerne pas les clubs habituels ouais. De nos téléspectateurs, comme quoi ça concerne l'amour du foot, tout simplement. Et ça nous rassemble tous les lundis aussi. Vous avez un chouette dossier, Vincent, merci d'avoir tapé ça en grand. J'ai même pas besoin de mettre mes lunettes. Je fais pareil. Pour le coup, avec toutes les stats qui sont tombées de cette phase classique, les 30 journées, ben, on a quelques classements alternatifs, mais qui sont sympas. On va jouer avec vous, d'ailleurs, autour de cela. Oui, c'est sous forme de quiz, ce dossier. Donc, chers amis autour de la table, vous allez tous jouer avec nous. C'est vrai qu'il y a des centaines de chiffres, hein, voire des milliers, qui sortent des statistiques de la phase classique. Bon, 5 questions qui concernent un joueur et 5 questions qui concernent un club. Alors, première question, qui est le plus gros dribbleur, le meilleur dribbleur de la phase classique? Le premier qui rentre sur des points à gagner. Hein. Qui réussit. Et UK, ouais. Et UK Amoura? Non. Huertas. Non. Non plus. Petit indice, Europe Playoff. Ce club jouera en Europe Playoff. Bah, c'est également, je vais vous donner un autre indice, le joueur qui marque le plus de buts de l'extérieur du rectangle. Ah, je l'ai entendu dans le public. C'est-à-dire qu'on suit notre championnat. Il a marqué un but d'ailleurs de l'extérieur du rectangle ce week-end. Ce week-end, oui. But de la victoire. Terrain synthétique. Koïta, oui. Qui est un fameux joueur. 87 dribbles sur 168 tentés, 51% de réussite. Et ça, il y a un gros impact du synthétique. Oui. Ils sont habitués vraiment à jouer sur le synthétique et à pouvoir dribbler. Oui, tout à fait. Et sur les 14 joueurs qui ont tenté énormément de dribbles cette saison, donc dans ceux qui en ont tenté beaucoup, c'est un autre joueur de Saint-Tron qui a le meilleur taux de réussite dans le dribble, c'est Stekkers, jeune belge très prometteur. Hein. Oui, j'adore ce joueur, la patte gauche. Bon, pas de points, donc vous n'avez pas trouvé. 0-0. Le point va dans le public. Le plus gros tacleur de la phase classique. Burgess. Non. Non. McAllister. Non plus. L'Union? C'est un milieu de terrain. C'est pas l'Union. Un milieu de terrain, en plus. Pas un défenseur. Mm-hmm. Intéressant. Qui fait une grosse saison dans un club qui a raté sa saison. Et qui se trouve donc en Europe Playoff pour pas grand-chose. Ayn Van Hazebrouck en sait quelque chose. C'est donc un Gantois. Le meilleur Gantois cette saison? De Sarre. Julien De Sarre. Tacleur. 110 tacles. Et vous savez qui est le deuxième de ce classement? C'est encore un Gantois, c'est Samoise. Ça tacle sec. Du côté de la Gantoise. Pas assez, visiblement. Non, pas assez. Qui a frappé le plus au but dans cette phase classique? Un joueur? Oui. Un joueur.
Non, attendez. Un arbitre. Non. Ça aurait pu être une équipe. Merci pour ce moment. Philippe a dit Skovolsen, ce n'est pas Skovolsen. De Sarde, non ? Ce n'est pas de Sarde. Ouais, il frappe souvent. C'est une évidence, finalement. Koita, de nouveau ? Non, mais. Ah, Denki. Voilà. Ouais, voilà. C'est le meilleur buteur qui a tenté le plus ça. Kevin Denki, 121 fois, il a frappé. Oui, pas 4 fois, comme il l'indique là, sur la photo. Non, pas 4 fois, non. 121 tirs, dont 45 cadrés, et donc c'est quoi, 23 buts, je pense. Donc c'est le meilleur buteur de la compétition. C'est assez logique. Donc le plus grand nombre de grosses occasions ratées. Il y a deux joueurs qui se partagent cette statistique. Vous avez dit qui ? Un joueur ? Oui, c'est un joueur. Deux en plus. Selon les stats, des expected goals, c'est au-delà de 0,2 expected goals. C'est considéré comme une grosse occasion. Comme ça, je vous donne un indice. Thiago, exactement. Philippe. Bien joué. 37 millions. Thiago a raté. 17 occasions manquées. 17 occasions manquées, tout comme. Un joueur du RWDM, Gay. Maktar Gay. Oui, ouais. Beaucoup d'occasions. Deux points okay. Là, non oh, désolé. La dernière question concernant un joueur, le gardien avec le plus grand nombre d'arrêts dans de le Fournier. Même match. De Fournier. Dans le même match. Ah, dans le même match. Dans le même match, on sait, de Fournier. Tobelaisen. Oui, bravo. Bravo. Allez, ça termine la partie sur les, ouais. sur les joueurs. 12 arrêts. Dans le même match. 2-1-1. 2 pour Philippe, 1 pour Cécile, 1 pour Stéphane. Hein. Nico, j'ai vous avez le droit de rentrer de vacances. Et j'ai 2. Ah, 2. Pour une fois que je gagne des cuisses. Vous avez 2 points ? Ouais, j'ai 2 points. Okay. Bon, on lui donne. Bon, on passe aux équipes maintenant. L'équipe la plus jaunie de la phase classique. L'Union. Non. Molenbeek ? Non plus. Saint-Ouen ? Non. Courtrai. Non, vous avez cité les 16. On va voir, citer les 16. C'est OHL, 75 cartes jaunes. Ah, bon. Le moins, c'est Gand. Le moins de cartons, c'est Gand, 37. Pas assez à Gand. 6 cartes rouges pour Gand, Genk et le RWDM. C'est le total le plus élevé en termes de cartons rouges. Et 0 pour Malines. Pas une seule exclusion du côté malinois. Ah, intéressant. Équipe qui, en moyenne par match, tacle le plus. On y revient. Ben Gand. Ben non. C'est trop facile. Cercle. Le cercle, 21 tacles par match en moyenne pour le cercle. Ça de a un sens quand on voit le style de jeu du cercle. Ça se retrouve dans les chiffres. L'équipe qui a touché le plus souvent le bois, comme on dit. Le montant du poteau bar. Club de Bruges. Anderlecht. C'est une équipe qui forcément attaque beaucoup. L'Union. C'est l'Union Saint-Gilloise. 16 fois, ils ont frappé le cadre du but. L'équipe ayant bénéficié du plus grand nombre de pénaltys. C'est celui qui en a pris le plus, ça je sais. Ah, l'Union, l'Union a pris le plus de pénalités. Ouais. L'Union, ouais. L'Union, sud. L'Union, 11. Et ceux concédés, c'est le RWDM, 15 pénalités. 15. Non, mais c'est dingue. Ouais. Dont des stupides. 11 seulement convertis, avec deux arrêts de Fournier. Deux avancés sur le RWDM. Non, mais des stupides, mais les pénalités les plus stupides, mais c'est une collection. Vous prenez la tête du classement. Voilà. Grâce à. Attention, dernière question pour départager tout le monde. Philippe, on se réveille là, vous n'allez pas être battu quand même. L'équipe, Philippe, qui a marqué le moins de buts en déplacement. Charleroi, c'est Nico qui a devancé Philippe. J'avais la question bonus, mais vous l'avez vendue tout à l'heure. Ah mince, je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est Koita donc qui a marqué le plus de buts de l'extérieur du rectangle. 5 frappes hors du rectangle. Il est juste devant Skovolsen et Dreyer. On le voit là, ce but inscrit contre Bruges. Ouais, le gardien. C'est vrai que. Ton avis. Est-ce que Jakers peut mieux bien faire sûr, bien sûr. Si c'est Mignolet, il n'y a pas but. C'est plein milieu du but. Incroyable. Donc, c'est Moi, je me suis demandé s'il n'était pas un poil dévié, ce ballon, par Michelin. Ouais, elle est flottante, mais c'est vrai que... Bon, ouais. Et souvent, quand il t'attire, c'est des sales balles. Mais je suis d'accord. J'aime bien quand on dit sales balles. C'est une sale balle. C'est une sale balle. Effectivement, merci pour tous ces chiffres intéressants qui valident parfois l'impression visuelle de ces équipes que l'on a suivies depuis 30 journées maintenant. Allez, on termine le quiz par une bagarre. On est jouette. Donc, après votre quiz, Vincent, la bagarre, elle est simple, elle est assez intéressante aussi. Quel est, selon vous, d'après vous, pour vous, le meilleur rookie de cette saison de moins de 23 ans ? Celui qui n'avait pas joué encore une seule minute en Pro League et qui s'est révélé à vos yeux. Qui démarre ? C'est Philippe. Ouh ! C'est Philippe contre Vincent. Ah ouais. Philippe. À chaque fois, je la perds, mais bon. Bon, j'ai pas été très loin pour trouver un jeune qui vient de la plus belle province de notre pays, c'est-à-dire la province du Luxembourg, Norman Bassett pour ne pas le citer, qui gosse à galérer hein, entre le petit club de Rossignol et Bertry, il est passé par Virton 2 fois, Charleroi 2 fois, Eupen également, et son destin a changé en fait
lorsque son entourage a envoyé une vidéo de lui au stade Malherbe de Caen, lorsqu'il avait 15 ans. Ici, on voit ses buts du début de saison, où il était absolument extraordinaire avec le FC Malinois. Mais à Caen, c'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du club à avoir évolué en équipe première à l'âge de 16 ans et 10 mois. Et avec un but à la clé. Donc, attaquant très très complet, superbe pied gauche, physiquement très très constant, à une valeur marchande à l'heure actuelle entre 5 et 7 millions d'euros. Donc voilà, il avait fait un début de saison absolument extraordinaire et sans cette blessure qu'il a tenu écarté des terrains pendant de longs mois depuis janvier, il aurait été pour moi la révélation de cette saison au niveau rookie. Donc chapeau à lui et j'espère qu'il fera une belle carrière. Voilà, on le voit marqué contre Charleroi, ça aurait peut-être été une bonne idée pour le Sporting de Charleroi d'aller chercher cette belle trouvaille de Malines, finaliste de la Coupe Gambardella en France, hein, donc la Coupe des Espoirs l'année passée. Mais c'était dépassé, j'ai pas le temps, de vous le dire. Ouais, il a raconté son histoire qui est quand même très intéressante. Un chouette grill. Notamment sa scolarité particulière, le fait d'avoir été harcelé aussi à un moment donné. Il s'est vraiment épanché là-dessus. C'était hyper intéressant de lire ça. On l'attend d'ailleurs sur le plateau quand il veut, Norman Bassett. Il faut réagir là, Vincent. Oui, et avant de démarrer le chrono, un petit indice. Écoutez. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges ? Ah oui, carrément. Qui est ce Georges, Benjamin ? C'est pas les Kens. Je l'ai dit, bordel ! Je l'ai dit ! Non, ce n'est pas Georges Lekens, puisqu'on a dit moins de... Pour celle-là, j'ai gagné. Ça, c'est sûr. Parce que je dois aller plus loin, finalement. Oui, tu peux aller plus loin. Oui, parce que c'est un merveilleux joueur, ouais. Vincent. Ah, il est né à Lagos, au Nigeria. Il est arrivé en France à l'âge de 3 ans avec ses parents. Il commence le foot comme gardien de but du côté de Bourg-la-Reine. Oui, ça ne s'invente pas. Puis à Antony, petite cité du sud de Paris. Gaucher buteur, finalement, et pas gardien. C'est Georges Ileni Kena, évidemment. Repéré donc par Amiens en Ligue 2. À 16 ans, il dispute son premier match pro à Amiens. Il devient le plus jeune joueur de la Ligue 2 française, le plus jeune buteur aussi. L'OM se renseigne alors en 2022, mais c'est l'Antwerp qui le signe pour 6,5 millions d'euros pour un gamin de 16 ans. C'est une somme considérable et quelque chose me dit que l'Antwerp va retrouver ses billes et bien largement d'ailleurs. En 8 mois, il est devenu un super sub, c'est vrai, avec quelques buts que vous voyez là, mais 40 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a pas été souvent titulaire, 13 fois seulement, 14 buts, dont 5 buts en 5 matchs de Coupe de Belgique et surtout ce but historique en Ligue des Champions. C'est lui qui donne la victoire à l'Antwerp contre Barcelone. Tout ça à moins de... à 17 ans, pas encore, il a 17 ans et demi en ce moment. C'est un joueur vraiment élégant, Ileni Kena, qui a déclaré que s'il ne réussissait pas dans le foot, il deviendrait chef d'entreprise. Quelque chose me dit qu'il ne demandera pas un numéro de TVA au registre de commerce de la ville d'Anvers, car son avenir est vraiment dans le foot et peut-être un avenir en bleu aussi. C'est un joueur qui est formidable à voir, je trouve, et qui a un grand avenir. Effectivement, et bravo, moralité. Allez regarder la Ligue 2, hein, parce que les deux attaquants dont vous venez de parler, les gauchers d'ailleurs tous les deux, il faut voter maintenant le public, la partie noire de l'affiche pour Philippe, la partie blanche pour Vincent. Ouais, on se réveille là aussi dans le public, s'il vous plaît. Partie noire pour Philippe, blanche pour Vincent. Ouais, c'est partagé, c'est blanc. C'est blanc, me souffle-t-on, parce que c'est vrai que là-bas, c'est cette tribune là-bas qui fait la différence. Il y a des gens qui ont peur de Philippe dans mon dos. Ouais. N'ayez pas peur, ouais. C'est un gentil nounours. Mais 1-0 pour Vincent quand même. Cécile. Vincent. Stéphane. Je donne Norman Bassett, mais Georges est au-dessus de tout. Il est 3-0, Nico. Oui. 4-0. Quel tôle, Philippe Albert. 0-4, historique. Un commentaire, Philippe. Vous avez dit le mot exact, historique, c'est ma première défaite cette saison. Voilà, on applaudit la première défaite de Philippe, qui joue le jeu magnifiquement. Et moi j'adore parce que vous racontez super bien les histoires. Je vous sonnerai quand les enfants ne veulent pas dormir, Philippe, la prochaine fois. On sonnera à Georges. Oui, on sonnera à Georges. Merci beaucoup Vincent pour tous ces chiffres et cette belle petite bagarre. On va parler du match du Sporting d'Anderlecht. C'est sans doute la surprise du week-end. C'est vrai qu'émotionnellement, il y a eu plus de suspense hier ou plus de tension à Antwerp Union. Mais la défaite d'Anderlecht contre Courtrai, la première de la saison à domicile,
personne ne l'avait vu venir. Ou alors... Il n'y avait pas de tension. Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Il n'y avait pas de tension au niveau de l'école. Ah, c'était d'autres tensions, en fait. C'est ça le problème. C'est quoi le problème principal? Pour moi, le problème principal, c'était le déséquilibre qu'il y avait au niveau des joueurs. Mais il y avait sans doute... J'aime pas parler de suffisance, mais il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à de la nonchalance, en tout cas dans le jeu Anderlechtois, avec un oubli de finir des actions, de vouloir vraiment aller vers l'avant. Mais je trouve que ça doit venir du coach, ça doit être insufflé par le coach, et le coach a, pour moi, insufflé quelque chose qui était complètement déséquilibré. D'abord, en mettant tous les joueurs qui étaient menacés de suspension pour le match suivant sur le banc, ça faisait beaucoup, forcément. Oui, Léonie, Hazard, Struikens... Mais oui, mais en plus c'est incompréhensible parce que ce sont quand même des joueurs intelligents. Je dis, c'est pas n'importe qui. Donc ils ont ce type de contrôle. Quand bien même l'un prendrait par accident une carte, bon ben c'est la vie, c'est le foot, ça existe. Mais calculer ça si longtemps à l'avance, bon je dis c'est jamais que Courtrai. Et tout respect pour Courtrai justement, mais par exemple se priver de Thorgan Hazard, des joueurs plutôt offensifs en plus, des joueurs offensifs et qui sont décisifs et qui sont en forme, ça fait beaucoup quand même. Alors indépendamment du fait qu'il y a de la qualité dans ceux qui ont joué, mais si la raison profonde, et il semblerait que c'est ça, c'est cette histoire de carte jaune, mais de qui on parle? Thorgan, c'est un joueur qui ne sait pas se contrôler, qui prend des cartes tout le temps? Ben non. Struikens non plus, Léonie non plus. C'est des gens intelligents. Et même s'ils en prennent une, c'est pas la fin du monde non plus quand même. Oui, ils n'avaient pas tous les quatre. Tous les quatre de la prendre en plus. Ouais, par rapport à ça. Alors nous, on parle après, c'est plus facile évidemment. Même avant. Là, franchement. Même vous très honnêtement. Vous n'avez pas sonné pour me le dire. Mais pourtant. Non, c'était inattendu. Et c'est vrai que c'est un risque innécessaire. Mais les joueurs qui sont été sur le terrain, ils sont quand même assez forts et qualitatifs pour aller remporter ces victoires contre Courtrai à la maison. Mais dans le jeu, Courtrai était meilleur en première mi-temps. Ouais, je sais. Et en deuxième aussi. Mais s'ils veulent mériter leur place dans les 11 de base, ça a été une hyper belle possibilité un samedi soir à la maison de pouvoir se mettre en évidence. Et je pense qu'il y a eu les moments pour faire les déclics, mais ils n'ont pas en profité. Sur cette rotation, on a beaucoup vanté la rotation à l'Union, mais lui, il l'a installée depuis le début de la saison. Ce qui fait que tout le monde est impliqué en permanence. Ici, c'est tout d'un coup, paf, et donc, ça a surpris tout le monde. Ouais, dans la forme actuelle, Hazard et Léonie devaient absolument débuter. Struikens s'est finalement monté après un petit quart d'heure de jeu et n'a pas pris de carte jaune. Donc, je rejoins Stéphane concernant ce problème-là. Si vous avez des défenseurs qui vont au duel ou à demi-def comme Balanta, vous savez que là, il faut le préserver. Mm-hmm. Hazard, Léonie, Struikens, non, ils doivent toujours être dans l'équipe à l'heure actuelle parce que c'est eux qui font la différence avec Dreyer et Dolberg. Et alors, bon, son interview d'après-match, quoi, quand il dit que non, c'est pas Courtrai qui nous a battus, c'est, on doit s'en prendre qu'à nous parce qu'ils ont 0,5 d'expected goals. Je suis désolé, hein, Courtrai venait pour un point et eux au moins ont essayé de jouer au football et méritent leur victoire. Les expected goals d'Anderlecht, c'était 1 face à la pire défense du championnat. Dernier du championnat. Donc ça, je suis désolé. Voilà. Là, Riemer, il s'est quand même bien planté pour la première fois cette saison. Et alors, enfumer les gens en disant « j'ai joué avec deux attaquants », non, il a joué avec un seul attaquant et le deuxième attaquant était excentré gauche. Hein. À ce propos, ça a quand même frappé Nico, qui m'a demandé gentiment une petite palette mise en image par Thomas Van der Linden, que l'on remercie comme tous les lundis pour le boulot exceptionnel pendant toute la journée. Nico, c'est vrai que... J'ai l'impression que Dolberg n'avait pas eu l'info qu'il jouait à deux attaquants. Non, et Philippe, on va regarder ça, on lance ça et vous en parlez. Ouais. Philippe me lance comme un numéro 10. Ici, on voit Dolberg qui était normalement l'ailier gauche. Regardez leur positionnement. Et Dolberg, il est collé complètement à Vázquez. Moi, j'étais vraiment étonné en regardant les images. Il y avait un plan de match qui c'était essayer d'aspirer vers l'intérieur les pistons. Ici, on les voit avec les joueurs pour laisser l'espace à côté. Ici, on voit un mouvement hyper intéressant de Vázquez qui s'est allé vers le côté opposé de Laval. C'est la position logique, le mouvement logique d'un numéro 9. On voyait aussi encore une fois Dolberg ici comme un ailier gauche. Par contre, le manque d'ambition de Dolberg d'aller marquer après avoir joué les pivots, c'est remarquable. Ici, on va voir, et je vous laisse voir l'image. Ouais, il y croit pas, il est spectateur, pas acteur. Mais moi, Vázquez, il sort une action individuelle incroyable. Et ici, on voit de nouveau, regardez l'image. Il est en avance. Dreyer, regardez les coups de tête de Dreyer, qui regarde l'espace. Encore une fois, les occasions, ils sont là. C'était vraiment une occasion très facile à marquer. Alors, je me pose la question de
qui devrait être le numéro 9. Ici, on voit clair, pour moi, les plans, il était quand même correct. 3 joueurs à l'intérieur pour aspirer 5 joueurs de Courtrai pour libérer l'espace. Dans ce cas-là, c'est Augustinsson et Angulo qui faisaient une course. Normalement, c'était Hazard censé de faire la course vers les côtés, mais c'est encore une fois le numéro 9 qui sort de l'intérieur des rectangles pour venir jouer les pivots. Et à la fin, on va centrer. Et il n'y va pas. Et il ne va pas. C'était pour, finalement pour Hazard ou pour Dreyer. Et ce n'était pas Dolver qui était à l'intérieur des box. Alors, encore une fois, la même action. À chaque fois, ces courses, ils sont vers l'extérieur du box et pas à l'intérieur, comme un numéro 9 qui doit sentir ça. Pourtant, il sent le but. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer, par contre. Oui, ouais. Parce qu'il a la qualité. Mmh. Il a la qualité technique, intrinsèque. Mais... Et Nico, il doit rester dans une position axiale. Oui, exactement. Et là avec Vasquez, c'était pas trop le cas. Oui, mais on peut jouer à deux. Il y a énormément des équipes qui le font. Et l'idée, c'est, je pense, qu'il n'était pas mal. C'était faire monter Augustinsson en permanence pour pouvoir centrer et avoir deux références à l'intérieur du box. Pour moi, la lecture là-bas des Rimes, il était correct sur les plans de jeu. Ils sont arrivés à dédoubler les flancs, à mettre des centres, mais le positionnement dans la box n'était pas correct par rapport au nombre de défenseurs que Courtrai avait mis en place. J'ai entendu beaucoup depuis cette défaite samedi dire aussi, mais comment c'est Kritz de l'année, il y en a un de trop. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas assez créatif, Cécile? Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais au-delà de ça... Bah, ça n'a pas l'air si sûr s'il l'a fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, il s'est planté, en l'occurrence. Mais Kritz fait vraiment pas un bon match du tout. Non, mais c'est sûr. Et il y avait pas assez... Au-delà de la créativité, il n'y avait pas assez de mouvement et de percussion. Sur Kritz de l'année, Faut plus essayer ou il y a des circonstances où il faudra le refaire? Je suis pas certain que Delaney est à 100% parce que le public l'a pris en grippe en première période quand il pouvait relancer positivement et vers l'avant au ras du sol, comme Léonie sait le faire. Il balançait des longs ballons vers l'avant. Les dégagements de Schmeichel aussi. Anderlecht joue habituellement un football de possession, léché, de possession, ouais. de l'arrière. Et ici, on essayait tout le temps de trouver aussi... pratiquement chaque fois, ou Vasquez ou Dolberg. Est-ce qu'on ne leur a pas demandé parce qu'il y avait deux attaquants? Ah ouais, bah probablement, mais ils ont joué. Bien sûr. Ils n'ont pas joué leur football. Non, c'est contre nature, parce que voilà. Même indépendamment du fait qu'il y avait une telle absence de créativité, c'est quand même rarissime. Alors, tout le déchet technique qu'il y a eu, ça, c'est incroyable. J'étais très surpris de la part de joueurs qui ont quand même un vrai niveau. Et j'ai beaucoup aimé Courtrai, parce que Courtrai mérite indiscutablement de gagner. Ce n'est que 0-1, on pouvait venir avec tous les expected goals dans tous les sens. Il y a une équipe qui était meilleure que l'autre, qui a voulu gagner, alors qu'elle est dernière, et qui va tout faire pour gagner chez celle qui a le vent en poupe. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Et quand offensivement, vous avez des problèmes, comme ce fut le cas contre Courtrai, vous devez être costaud derrière pour empêcher le but, quoi. Et j'ai rarement vu l'axe central de Bast Vertonghen avoir autant de difficultés. Bon, on va montrer le but et puis on va chez Lanceau. Mais on monte le but comme vous en parlez maintenant. C'est vrai que de Bast, ces dernières semaines, était plutôt bon. Il était excellent. Et là, je l'ai senti assez timoré, un peu fatigué peut-être. Le de Bast normal ne joue jamais ce ballon de cette façon-là. Bon, ensuite, il y a des vices évidemment qui réussit un contrôle incroyable et qui finit. Bon, là, Schmeichel ne peut strictement rien faire, mais là, c'est le premier match où cet axe central a un peu foiré. Et vous le vouliez chez les Diables, cet axe-là? Ah, mais je le veux toujours chez les Diables. Parce que ça peut arriver de passer à côté. Dès samedi contre l'Irlande, on verra. Lance vos questions. Une réflexion surtout de Romain qui nous disait que ce n'est pas une défaite qui est particulièrement problématique. Il disait juste, on a appris deux choses, Dolberg et Vasquez ne peuvent pas commencer ensemble et Ritz et Delaney ne peuvent pas commencer ensemble non plus. D'accord. Ah, monsieur Frutos, oui. Je ne suis pas d'accord. Moi, il y a deux semaines ou trois semaines, j'ai parlé à la presse et j'ai dit Dolberg et Vasquez ne peuvent pas jouer ensemble. Mais ça dépend de la façon qu'on veut jouer. Dans la façon que l'entraîneur il avait pensé les matchs, pour moi, c'était possible. Et l'entraîneur, il regarde un plan, il les met sur place pour essayer de créer des situations et d'occasions but. Les situations, ils ont été là. Ils ne se sont pas transformés dans d'occasions. Parce que les joueurs, ils ont décidé d'une mauvaise manière leur course. Mais la positionnement, les situations, c'était très clair. Peut-être que les joueurs eux-mêmes, Dolberg en particulier, n'étaient pas convaincus que c'est possible en fait, de jouer avec Vasquez. C'est peut-être le message qu'il a adressé à son coach. On a eu un peu ça avec Lukaku Openda en Autriche. Hein. Un des deux ne voulait pas forcément jouer avec deux attaquants, ça s'est ressenti. Et ici aussi, ou pas? Oui, mais Lukaku Openda, deux joueurs qui sont des profils différents. Un qui a beaucoup plus de courses dans les dos, beaucoup plus de vitesse, et l'autre qui c'est un pivot. Ici, c'est deux
plus ou moins du profil qui se rassemble. C'est pour ça que mon avis c'était, on ne peut pas jouer ensemble, surtout si tu as un Dreyer, si tu as un joueur comme Hazard, que tu peux jouer avec trois attaquants, il faut en profiter pour avoir un numéro 9. Et je pense que c'est le cas, et le choix de Rimes de toujours jouer avec Dolberg ou Vázquez, c'est intelligent. Mais pour un match, pour moi, je n'étais pas contre dans ce match-ci. Mmh. Voilà, en attendant, je ne sais pas s'il le retentera dans les play-offs. Brian Riemer avec cette défaite à la clé contre Courtrai qui rejoint donc Eupen. On n'en a pas touché un mot, mais Eupen qui a perdu son entraîneur, hein, Florian Köffel, qui est parti. C'était aussi une des décisions du week-end par rapport à ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Annonce raison personnelle. Personnelle, ouais. Et sportive. Je voulais juste dire une chose par rapport au mot démission, c'est que le mot est connoté de façon négative, on n'aime pas être démissionnaire, etc. Et moi, je trouve que dans de nombreux cas, la démission, ça témoigne d'une forme de dignité. Je trouve que la démission, ça peut aussi être vraiment quelque chose de très bien. Et un de mes bouquins préférés, c'est Éloge de la fuite d'Henri Laborit, il en parle extrêmement bien. Donc la démission, ce n'est pas uniquement un acte de faiblesse, c'est parfois même tout le contraire. Voilà le bouquin de Phil Jackson. Certains coachs, d'ailleurs, pourraient d'ailleurs pour en profiter, d'ailleurs, pour prendre une décision similaire. Qui ? Je ne sais pas. Vous avez un nom en tête ? Non, je ne sais pas. Club bruxellois ? Je cherche. Peut-être. Okay. En attendant, autre entraîneur, mais là, il n'a pas eu le choix, c'est Ronny Deila, qui a été démis de ses fonctions officiellement ce matin au club brugeois. Là aussi, on est parfois surpris. On n'est pas surpris là maintenant. Mais franchement, si on nous réécoute, nous et même tous les collègues ou même tous les supporters, je pense, on ne l'avait pas senti venir en tout début de saison, cela. C'est vrai, mais je me pose la question. Il y a des joueurs avec des gros contrats à Bruges. Depuis des années, il y a quand même pas mal d'entraîneurs qui sont en train de filer à Bruges. Il faut quand même poser la question aussi en interne. Parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait aucun entraîneur les derniers temps qui fonctionne à Bruges avec un noyau avec cette qualité. Voilà, c'est pas un hasard, et Edouard Steele, qui était sur notre plateau il y a deux semaines, qui connaît bien le club de Bruges, rappelait qu'on est un peu dans un vide aussi de direction, là, avec le départ de Vincent Manhart, qui est dans une saison de transition, qui fait plus de l'opérationnel et plus du décisionnel, alors que lui, c'est grâce à lui aussi que le club de Bruges est devenu le club numéro 1 en Belgique ces dernières années, avec Bart de Raag. Et donc, sans doute que cette incertitude-là a créé de l'incertitude plus qu'on ne le pensait à tous les étages du club. C'est sans doute intéressant de se dire que Deila avait sans doute pas beaucoup de personnes avec qui discuter, enfin en tout cas avec qui se remettre en question ou en tout cas avec qui réfléchir au niveau sportif, outre son staff, mais en tout cas dans les supérieurs, dans ses supérieurs. Donc sans doute que ça a manqué, on sait, hein, c'était très intéressant les discussions de la semaine passée. Ouais. Mais c'est quand même étonnant, je trouve que. Ça veut dire qu'il y a quand même aussi de la mauvaise volonté quelque part, parce qu'on parle quand même d'un meneur d'homme, on parle quand même de quelqu'un de qualité tactique, il a quand même énormément de qualité. Mais tout s'est éteint. Tout s'est éteint, mais donc il y a aussi de la mauvaise volonté quelque part. Il a besoin d'un groupe réceptif, il l'avait au Standard, ici à Bruges il ne l'a pas eu, avec des starlettes qui, quand elles n'avaient pas envie de jouer, s'en foutaient complètement, jouaient leur carte personnelle. Comme qui ? Comme Nusa, comme Skovolsen. Ce sont des joueurs absolument extraordinaires à voir jouer. Quand ils en ont envie, quand ils n'ont pas envie, vous pouvez avoir Deila comme entraîneur, ça ne peut pas marcher. Et derrière, malgré une des meilleures défenses du championnat, il y avait quand même des erreurs monumentales lors de chaque rencontre. Ils ont surtout perdu beaucoup de points dans les fins de match aussi. Donc voilà, moi j'étais franchement très étonné qu'ils le licencient avant ces play-offs et avant ce quart de finale. Donc le PAOK de Conférence League qui est très très abordable. Ils prennent un risque énorme là en nommant Nicky Ayen comme entraîneur. Nicky Ayen, on le rappelle, entraîneur du saison, Next Bruges, de l'équipe Espoir en Division 2 qui va assurer l'intérim. Les joueurs sont responsables, Benjamin, ils doivent se regarder dans une glace. Ouais. C'est pas Deila l'unique responsable. Je suis très d'accord avec Philippe. Et en plus, il y a une chose surprenante, c'est que Deila a aussi échoué sur son fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui dégageait un charisme, une aura très importante au Standard. Il s'est racrapoté à Bruges à un moment donné. Franchement, dans sa doudoune, il ressemblait plus à grand-chose. Et c'est très bizarre, c'est très dur à vivre pour lui. Bruges a gagné combien de matchs sur 30, club de Bruges ? 12. 14. Mais c'est fou. C'est fou, hein. Pas un beaucoup, match sur deux, alors que Bruges était favori à nouveau. Oui. Ah oui, c'était le gros favori. Et de nouveau, hein, dans le dernier quart d'heure, on en avait parlé, et c'est à nouveau le cas ici. Marc Degrès, je lisais la News, qui disait « Il faut aller chercher Michel Preud'homme ».
tout de suite. Là, Michel sortira pas de sa retraite. Non, vous le connaissez bien. Il est trop bien où il est. Il n'a pas envie de se remettre dans le bain. Entre Tenerife et il vit sa vie entre Tenerife et la Belgique, donc. C'est bien. Je pense qu'il a assez donné pour le football belge. Voilà, une idée sinon pour le club de Bruges. Non. Qui conviendrait bien là maintenant? Je sais pas, mais je rejoins un fil. C'est un risque énorme avant une quart de finale vraiment possible de passer, de trouver en demi-finale. Ça c'est exceptionnel pour un club belge. Il y a des joueurs qui doivent se remettre en question. Mais moi, qui chercher, c'est difficile. On parle de Gerhardt, mais bon, pour la saison prochaine. Parce que du côté de Schalke, ils ont quand même subi une grosse défaite ce week-end. Ouais. J'étais surpris par la pression que la presse flamande a mise sur les épaules, de Dela très vite. Il y a vraiment eu, très rapidement, là, il n'est pas l'homme de la situation. Je me souviens de Tlacenibs qui faisait l'équipe à sa place en disant « Dela doit faire ça ». Enfin, il y a eu une pression que j'ai trouvée quand même surprenante. Certes, Bruges est le club, le phare en Flandre, avec Anderlecht évidemment, mais je dis quand même, il y a eu quelque chose. Ouais, en attendant, même dans ses dernières interviews, même encore après la qualification contre Molde, jeudi, on a l'impression que dans ses mots, lui-même était en train de se dire il n'y a rien qui va, limite, il est peut-être soulagé, en fait, je ne sais pas. Tant il semblait effectivement un peu au bout du rouleau. C'était un énorme challenge pour lui. Et quand vous ne terminez pas la saison, alors que vous avez un contrat longue durée, c'est pour un entraîneur comme ça, qui a tout gagné dans tous les clubs où il est passé, ça fait quand même la deuxième saison sans titre. Hein, ouais. Donc c'est... En Belgique, c'est plus dur qu'ailleurs, ça veut dire. Probablement. Mais comment il faut gérer ce vestiaire, alors si dès que ça vous plaît un petit peu pas, vous n'avez pas envie de jouer, on parle de Nusa, on parle de Skovelsen. Van Aken fait sans doute partie aussi des joueurs qui impriment un peu le rythme et la volonté de ce qui doit se passer sur le terrain en tout cas. Comment on fait alors avec un groupe de joueurs qui n'a pas envie? Parce que ici, quoi, ils voulaient le virer, ils ont réussi à le virer, on fait quoi maintenant? Nicky Ayen, s'il ne fait pas des bons résultats, ils vont faire quoi? Enfin, je trouve que c'est à qui le pouvoir, en fait? À qui le pouvoir? Et à Bruges, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, et comment ils font? Nicky Ayen, c'est la solution de facilité. Comme Rick 2000 l'année passée. Oui, et avec la calotte qu'ils ont quand même pris avec Scott Parker, Bruges, ils n'ont pas intérêt à recommencer les mêmes erreurs, quoi. Donc... Mais c'est prendre un risque énorme. Là, je rejoins Nico aussi. Comme quoi, c'est pas si simple de rester le meilleur club de Belgique. Hein. C'est le plus puissant, ça reste le plus puissant financièrement, évidemment, avec les succès de ces 10 dernières années. Mais c'est pas évident d'être champion chaque année, ouais, et puis la surpuissance financière. Les joueurs sont de passage. Au club de Bruges? Bien sûr, au club de Bruges, oui, c'est flagrant. Cette saison-ci, en tout cas, c'est flagrant. 6 bons matchs et puis on passe à côté de 5. Bon, c'est pas grave, en fin de saison, de toute façon, on va se barrer. Une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de millions. Ouais. Ça peut pas marcher. Le club de Bruges ne peut pas marcher de la sorte. Et ils sont très irréguliers. Hein. Là, Philippe a raison. Il y a des joueurs qui ont un talent incroyable. Des matchs, ils passent tout à fait à côté. C'est bizarre. Il ne faut pas oublier ce noyau. Il a été capable de se qualifier en Champions League et en championnat directement après. Mettre dehors. Allez, l'entraîneur, il a été remercié. C'est quand même incroyable. Comme si on choisit sur quel tableau jouer. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est dommage parce que on dirait qu'ils sont capables de dire « Ok, en Europe, on joue. Allez, on va apprendre des joueurs incroyables, mais c'est vrai que s'ils ne sont pas motivés pour chaque match, ça reste un problème, effectivement, fondamental. Bon, l'affiche, c'était quand même interpellé, on en parle maintenant. Alex Boucaud est dans les starting blocks, il y a énormément à redire sur ce match-là. On va d'abord analyser les phases en plusieurs temps. Une première mi-temps où l'Antwerp avait plutôt le contrôle du jeu, mais les occasions, c'était quand même pour l'Union, on est d'accord ou pas? Oui, et puis après, ils ont quand même été bien sous pression, l'Union quand même, mais avec une volonté aussi de laisser la balle à l'Antwerp. Un jeu dangereux avec l'Antwerp quand même, parce que ça a été un peu rouleau compresseur à un moment. Mais ça laisse toujours des espaces, il y a toujours des espaces. La transition rapide ou la contre-attaque, on dit comme on veut, c'est quand même une des armes de l'Union et ils l'ont presque bien utilisée. Ouais, avec des énormes occasions, buté, hein, qui a aussi été bon, évidemment, notamment face à Nilsson ici. Occasion pour la Poussin ici. Vous n'avez pas envie de marquer, quoi, Nico? Intérieur pied droit, je pense. Ouais. Il a peut-être le temps, mais là, il décide de jouer à extérieur pied droit. Grand point génial. Hein. Ouais. Mais Vas-y. Non, une touche de balle en trop, comme Philippe dit, intérieur des pieds,
Mais bon, il faut être là. Moi, je suis tellement content que ce match n'ait pas eu lieu en même temps que les autres, parce que j'ai pu le voir en entier. Mmh. J'ai adoré ce match. Je trouve que vraiment, c'est tout ce que le foot peut nous apporter. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'intensité, parfois peut-être un peu trop. Je pense sincèrement que l'Union a été volée, mais ça, j'imagine qu'on va en parler plus tard. Mais j'ai adoré l'intensité, le fait que ces deux équipes qui voulaient gagner, l'Union réduite à 10, qui veut gagner, qui ouvre la marque, incroyable, l'Inter qui revient, c'est un super match. Il y avait beaucoup d'émotions aussi, et même on a vanté, je le disais tout à l'heure, la rotation du coach Blessing et que tout se passe bien, mais là même hier, Eckert, il n'avait pas envie de sortir, et c'est rare à l'Union de voir ce genre d'image cette saison. Ah, Mourav a déjà fait ça aussi. Hein, ouais. On le dit toutes les semaines, c'est rare à l'Union de voir ces images-là, donc ça commence à devenir quand même moins rare, mais c'est la preuve qu'ils ont envie d'être là et qu'ils sont tous impliqués. Puis Eckert, il sait qu'il n'est pas titulaire indiscutable et il vient de sortir deux matchs absolument extraordinaires. Il a été très bon à Fenerbahçe. Aussi. Donc voilà, pour en revenir à l'Union, deux déplacements très compliqués, ils gagnent, ils auraient même peut-être dû se qualifier s'ils avaient été plus efficaces jeudi et aller chercher un point à l'Antwerp dans les conditions que l'on connaît. Et c'est tant mieux pour eux, c'est digne de ce qu'ils représentent en fait. Ouais. Ce match à l'Antwerp, c'est ce que eux veulent voir en fait. Il y en a qui disent qu'ils sont un peu dans le mou, moi je voudrais bien que toutes les équipes qui sont dans le mou soient à ce niveau-là. Je dis, ils sont absolument pas dans le mou du tout, et ce qu'ils ont proposé là, franchement, dimanche... Bon, d'ici quelques petites minutes, Alexandre Boucaud va parler d'arbitrage, et donc forcément de tout ce qui s'est passé dans le match entre l'Inter et l'Union, parce que ça a beaucoup réagi. On en avait touché un mot, Vincent m'a rejoint à nouveau, on en avait touché un mot en début de live ici. Ben, on voit les images de ce match. C'est vrai que c'était déjà le premier match des playoffs hier. Et dans la tension, ouais, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, dans la tension qu'il y avait entre les joueurs, la pression mise par le public, par les staffs sur le bord du terrain, avec un Van Bommel qui parfois est à la limite aussi, Aldo Werrel qui a joué de son influence avec l'arbitre, on sentait qu'on y était déjà en fait. Oui, complètement. C'est vraiment le goût, l'odeur, la sueur d'un gros match de Champions Playoff qu'on a vécu hier du côté de l'Antwerp. Mais on sait que l'Antwerp va jouer le coup. Hein. Ils sont champions en titre et ils vont pas abdiquer comme ça. On sait que c'est un petit parfum de répétition de la finale de la Coupe de Belgique aussi entre ces deux clubs-là. Ça devient tout doucement j'ai envie de dire les meilleurs ennemis. Au-delà même du derby bruxellois Anderlecht Union Saint-Gilloise, je trouve que Antwerp Union, c'est là où il y a le plus de friction, de tension, d'électricité en fait dans l'air. Oui, parce qu'on se rappelle de l'hélicoptère, bah justement, dans les airs qui était passé de l'Union à Genk pour le titre de l'Antwerp l'année dernière. Bah, c'est vrai que l'Union, c'est de manière générale... bon, il y a 3 ans, ils sont arrivés, c'était la petite équipe sympa, le petit voisin, allez, c'est chouette, fais-toi ton petit trou en Pro League et nous embête pas trop. Sauf qu'ils ont commencé à embêter tout le monde et qu'on a vu les matchs contre Bruges, demi-finale de coupe notamment là-bas, ça avait aussi été extrêmement tendu. Bah, contre Anderlecht, vu le passif, maintenant les, je pense, 8 matchs sans défaite de l'Union face à Anderlecht, ça grince des dents aussi. L'Antwerp, ils se sont pas fait que des amis avec ce qui s'est passé. Nilsson a été hué tout le match, Machida jusqu'à son exclusion a été hué. On sent que c'est plus la petite équipe sympa du non, tout. Non, c'est le propre d'une équipe à battre, en fait, ouais. que tout le monde veut mettre à terre. Voilà. Ils se sont fait plein d'ennemis. C'est l'équipe qui se fait plein d'amis, j'ai envie de dire, dans le public. Ouais. De manière, il y a un vrai courant de sympathie, généralement par tous les amateurs de foot, parce que pour le foot qu'ils proposent et ce que le club représente aujourd'hui, en très peu de temps, en 3 ans, ils ont réussi à mettre plein de gens dans leur besace, j'ai envie de dire. Mais les adversaires, eux, ont de plus en plus les crocs quand ils rencontrent l'Union. Oui, parce que là, en plus, effectivement, ils sont à 90 minutes ou peut-être 120 de leur premier titre, les unionistes, face à l'Antwerp, qui, attention, hein, gagne très souvent cette Coupe de Belgique. Je pense qu'ils l'ont déjà gagné 2 fois depuis qu'ils sont remontés. Le classement, le voici avec 35 points pour l'Union, 32 pour Anderlecht, mais qui a bénéficié d'un demi-point, donc un arrondi à l'unité supérieure. Et on rappelle qu'en cas d'égalité entre l'Union ou n'importe quelle équipe des play-offs, en cas d'égalité, ce sera l'Union qui sera championne puisqu'il y a ce petit avantage qui est octroyé en cas d'égalité de garder cette préséance. Oui, et sur le point réglementaire, quand il n'y a plus l'arrondi, quand on ne bénéficie plus de l'arrondi, le deuxième critère, hein, quand on a égalité de points, c'est la position en phase classique. Donc l'Union, forcément, est très très bien placée par rapport à tout cela.
Exactement, voilà le tableau aussi avec le premier match pour Anderlecht, ce sera face à l'Antwerp, déjà un gros duel. En fait, pour Anderlecht, le début va être très compliqué, hein, parce que le début, les trois premiers matchs, je pense que dans l'ordre, ce sera l'Antwerp, le club de Bruges, Au club de Bruges, et puis la réception de l'Union. Ouais. Donc trois grands matchs qui peuvent déjà conditionner pratiquement l'ensemble des playoffs. L'Antwerp, dans l'état de forme dans lequel ils arrivent, il va falloir se les farcir. Bah, le club de Bruges, s'il y a encore un match qu'ils doivent gagner ici, bon, à part le derby contre le Cercle, c'est bien d'ennuyer le rival anderlechtois. Pour Anderlecht, ils n'ont pas dû spécialement sourire et être contents en découvrant le calendrier tout à l'heure. Oui, effectivement. Et c'est vrai que le début de ces playoffs pour Anderlecht sera capital. On voit le nombre de points qu'ils ont pris les uns contre les autres pendant la phase classique. Et là, c'est plutôt favorable, hein, pour Anderlecht et pour l'Union. Regardez, c'est le Cercle. Ouais. C'est incroyable, 3 points sur 30 pour les joueurs du Cercle qui ont donc pris la majorité de leurs points contre des équipes du bas de tableau plutôt, ouais, que contre le top 6. Michael qui nous dit, est-ce qu'il y aura un huis clos du Sporting d'Anderlecht contre l'Union, car on n'en parle pas mais cela risque de se passer. D'après nous, pas spécialement, parce que le Sporting d'Anderlecht peut aller en appel par rapport à cette décision qui a été rendue. Enfin, il peut encore y avoir des appels par rapport à ce qui s'est passé contre le Standard avec des bagarres entre les supporters. Mais au-delà de l'appel, il y a encore une évocation, et donc l'évocation va nous renvoyer grosso modo au calendrier grec et donc à la saison prochaine. Oui, probablement. Le Standard est aussi dans le cas, je pense. Oui, tout à fait. Huis clos, hein, donc, tout à fait. Mais le Standard a peut-être plus intérêt à ce que ça arrive pendant les playoffs. Ou bon, voilà, qu'une belle affiche, ouais, pour recommencer la saison l'année prochaine, peut-être. Ouais, c'est vrai. Et petit point intéressant aussi au niveau du calendrier des playoffs 1, on va laisser la parole à Alexandre Boucaud dans deux secondes, c'est que le club de Bruges va en fait jouer trois fois sur sa pelouse pour débuter les playoffs. Ça peut jouer un petit rôle aussi, hein, puisqu'ils joueront le match, le derby contre le Cercle. Tout à fait. Allez, on va écouter Alexandre Boucaud qui va débriefer ce qui s'est passé dans ce match entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de phases. Alors, Cécile, elle l'envoie à Nathan Verbomen, qui était devant les écrans du VAR pendant ce match. Monsieur Verbomen, vous semblez avoir une interprétation différente du mode d'emploi du VAR. Quand êtes-vous dispo pour en parler? Vous n'avez pas compris non plus? Bah, je suis contente qu'Alex soit, oui, là, parce que vraiment, on va avoir besoin d'explications. Ou peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Peut-être que c'est juste de la mauvaise interprétation, mais c'est quand même dur. On va évacuer quelque chose qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une image du compte LinkedIn de Nathan Verbomen, qui a un métier dans la vraie vie. Et son métier était lié à un moment donné, vous voyez, sport et nutrition, à un partenariat avec l'Antwerp. Ce qui peut sembler gênant quand même, surtout après ce match-là. On a quand même vérifié. C'est vrai que ça a existé. Il a changé. Il a changé de boîte, Alex. Oui, il y avait eu une polémique il y a tout juste 2 ans, après un match Berscott-Antwerp, oui, où le Berscott s'était plaint de son arbitrage et avait pensé introduire une plainte officielle pour conflit d'intérêts. Alors c'est vrai qu'il travaillait pour une 6D qui était partenaire en nutrition sportive de l'Antwerp. Il faut savoir que, premièrement, il a changé d'employeur, donc ça va s'arranger puisque le nouvel employeur est partenaire de la Gantoise et de Zulte, donc c'est... une première bonne chose. non mais plus sérieusement, à un moment donné, on donne parfois, j'ai l'impression, de bâton pour se faire battre. Là. Non, alors après, il est aussi demandé à chaque arbitre en début de saison de déclarer ses conflits d'intérêts potentiels auprès du compliance manager de la fédération. Et donc chacun, en fonction de sa situation professionnelle, de son réseau d'amis, de connaissances, est appelé à mentionner s'il a des contacts directs ou indirects privilégiés avec l'un ou l'autre club qu'il est prêt à arbitrer. Puis le compliance manager fait son analyse et son enquête pour faire en sorte d'écarter de certaines désignations l'un ou l'autre arbitre. Donc voilà, la situation est ce qu'elle est. Maintenant, en dehors de la polémique, je pense que ça peut aussi remettre sur la table le fait de se dire est-ce qu'il n'est pas à un moment temps que ces arbitres puissent être de vrais professionnels qui puissent vivre à 100%, tous, ouais, comme les joueurs du football. Pour éviter ce genre de problème. Et d'ainsi arrêter ce genre de polémique.
Voilà, effectivement, éviter les problèmes à la base. En amont, ça nous semble évident, évidemment. On rentre dans le cœur de ce match et de l'arbitrage, là aussi, de M. Van Driess, hein, ne pas confondre, qui, en première mi-temps, a mis la barre assez haut hein, dans ce qu'il permettait avant de sortir les cartons, notamment par rapport à Vincent Janssen. Ouais, bon, on a tout d'abord un match qui était très rythmé, avec beaucoup d'intensité. Alors, c'est vrai que... Bon, il y a eu plusieurs fautes de Janssen. Est-ce que ça méritait un carton, c'est la question, en fait. Pas nécessairement. Je crois que ce qui est surtout ressorti, c'est que peut-être Janssen, au nombre de fautes, en a peut-être fait individuellement plus que d'autres. Maintenant, quand on voit Sykes, la manière de tomber, etc., il en a aussi souvent rajouté. Donc, au final, en fin de première mi-temps, il n'y avait aucune carte jaune qui avait été distribuée. Il s'en sort quand même bien. Ici, il s'en sort bien parce qu'il y a un pied qui traîne deuxième instance. Oui. Voilà, c'est toujours les choses les plus difficiles à distinguer. Donc, en effet, sur l'ensemble de son œuvre en première mi-temps, il aurait pu écoper d'un carton jaune. Maintenant, je pense que sur ce match, on va avoir d'autres... Oui, mais c'est pour ça que c'est important de se dire, bah, tiens, s'il veut rester cohérent, bah, c'est difficile quand même, à un moment donné. Hein, bah. Et puis, bon, c'est tendu, on sent que c'est tendu, notamment avec cette scène entre Nilsson et Jean Buté. On rappelle quand même la règle, on ne peut pas gêner un gardien quand il relance. Non, non, donc, en fait, voilà, c'est incompréhensible. Je dirais, il y a faute de Sykes sur lui. Hein. Et là, il peut... Premièrement, il y a faute. Bon. Nilsson ne peut pas passer devant Jean Buté, comme ça, au moment où le gardien va... C'est une manœuvre volontaire pour ralentir le jeu. Donc, à ce moment-là, je pense que la chose la plus sage à siffler, c'est sans doute ce par quoi ça s'était terminé, c'est un coup franc indirect en faveur du gardien. Mais pas parce que Nilsson il passe devant les gardiens que le gardien il a le droit de faire ça qu'il veut. Vous pensez qu'il le fait exprès? Moi, je déteste la protection qu'il y a toujours. Je n'aime pas la protection qu'il y a surtout sur les gardiens. Moi, j'aime bien. Non, mais Nilsson le fait chaque fois. Je dis, c'est fautif. Il le fait vraiment chaque fois. Je dis, vraiment, c'est une consigne. Le but, c'est d'empêcher le gardien de dégager directement. Et ce n'était pas permis par le règlement. Il commet une faute systématique. C'est une faute, effectivement. Lui, après plusieurs, il a pris une jaune. Janssen, pas. Voilà. Et après l'accumulation, il a fait une jaune pour ça. C'est sans doute pas. Enfin, à un moment donné, je veux dire, on a compris que c'est une manœuvre de la part de l'attaquant unioniste. Donc... Oui, ok, mais voilà. Donc il a pris une carte et c'était juste qu'il prenne une carte. On sent que c'est tendu, mais ça va quand même se corser fameusement après cette scène-là. Rarement, elles sont rares sur le terrain de foot. On a. Mais non, mais. Mais non, mais Kung Fu Panda 4 est sorti au cinéma. Ouais. Un Vigel Bataille est allé voir samedi soir. Et donc, à partir du moment où vous vous jetez de cette manière-là, avec votre genou à haute intensité, que vous terminez dans la figure, c'est... Voilà, au terme du règlement, c'est clairement une faute grossière, mettant en danger l'intégrité de l'adversaire. La porte du vestiaire et de la douche sont à proximité immédiate. Je m'interroge également sur la communication que le quatrième arbitre a pu faire, parce qu'il est aux premières loges. Donc, il n'y a pas de discussion, c'est carte rouge, c'est dehors. Et avec on reviendra. Plusieurs matchs de suspension. Mais c'est quand même super dangereux. Ça nous rappelle évidemment cette triste scène entre Mavinga et Carcella. Là non plus, il n'avait pas été exclu. Comme si, en fait, sur ce genre de scène, je le disais, elles sont rarissimes. Les arbitres se disaient, c'est plus un accident qu'autre chose parce que c'est rare. Et c'est pas comme les semelles où là c'est rouge à tout va. Dès qu'il y a une semelle. Là, par contre, Alex, c'est choquant. Sauf que maintenant, on a 40 caméras et le VAR qui doit intervenir. Vous savez ce qui me dérange? Non. La faute, évidemment, rouge tout le temps, c'est son attitude après. Il ne vient même pas. Prendre des nouvelles de Machida. D'abord pour cette histoire Ça, c'est quand même grave aussi à ce niveau-là. Je suis d'accord avec cette histoire, parce que les gens disent « oui, c'est peut-être un accident », mais enfin, si vous roulez à du 150 en zone 30 et vous écrasez quelqu'un, vous êtes totalement en tort. Et ce que je trouve le plus fou, c'est que qui s'intéresse au foot et qui estime que c'est pas rouge? Donc Nathan Verbommen, le seul. Donc il y a un être humain qui est devant la caméra, donc c'est le métier qui est payé. Bah, aussi, hein, quand même. Oui, mais eh ben, je le pardonne beaucoup plus que le VAR. Attendez, moi j'étais devant la télévision, mais j'étais sûr à 1000% que c'était rouge. Il n'y avait même pas à discuter. En plus, c'est évident, on voit les caméras, et tout, on se dit, mais il est dehors, et on ne l'appelle pas. Scandaleux. Je tombe de ma chaise. Est-ce que c'est justement parce qu'il avait mis cette barre hyper haute qu'il se dit, bon, bah, je ne pas le VAR, le VAR n'a pas... Il doit aller voir, au moins. Tu ne peux pas, à un certain moment... On essaie de comprendre, nous, c'est laisser les faits escalader à des niveaux où tu prends des risques inconsidérés. Donc ici, c'est assez factuel. Il y a de l'intensité, il y a un genou, il y a de la dangerosité.
on a un contact qui est très haut avec une partie. Donc il y a tout. Chez la victime, on est sur une partie, la partie du corps la plus sensible, c'est le visage. Donc voilà, il y a plus ou moins tous les ingrédients. Je disais, est-ce qu'il attend juste qu'un Stutz vienne lui crever l'œil? Je ne sais pas. Mais voilà, en attendant, on ne sait il pas. Il faut arrêter avant. Même Franck de Bleckereux a reconnu que ça valait rouge. Hein, quand même, il faut le préciser. C'est de sa faute ce qui se passe après, d'ailleurs, aussi. Hein. Ouais, et donc après, forcément, c'était déjà tendu avant, c'est encore plus après. Machida, qui là va faire un truc. Ça aussi, c'est assez rare de voir ça. Il n'y a pas de faute, l'arbitre ne siffle pas. C'est juste après. Hein. Non, mais je pense que... En fait, on en parlait aussi, Machida, culturellement, et il y avait eu le cas avec un joueur de gants à Anderlecht dans ce fameux match aussi, hein, au niveau des Japonais, très très respectueux. Donc, ils ne rouspètent pas sur l'arbitre, mais voilà, après, ils vont régler leur compte un peu différemment. Et voilà. L'arbitre ne peut rien faire parce que le ballon est en jeu. Le ballon est en jeu, il peut le faire. Mais voilà, c'est clairement une conséquence de la première action. Il a... en quelque sorte péter un câble. Ouais, et puis finalement, là, presque dans la foulée, il va être exclu. Mais d'abord, en deux temps, il y a ça. Juste avant, Alderweireld est des fous furieux sur l'arbitre parce qu'il siffle pas faute. Voilà, il lui fait savoir. Et juste après, il y a ceci, on laisse l'avantage, c'est important. Voilà, regardez le geste de l'arbitre, qui là va siffler. Et puis Toby Alderweireld, voilà, va montrer, hein, on racuspot un petit peu. Et il donne... une deuxième jaune à Machida. Est-ce qu'elle est logique, cette deuxième jaune? Alors pour moi, cette deuxième jaune, et je vais tout vous expliquer, elle n'est pas logique du tout. Premièrement, au niveau du comportement du joueur et de la manière de se laisser influencer, je trouve ça, et là au niveau de l'arbitre, je trouve ça lamentable. Ça, c'est la première, hein, qui était amplement méritée. Pas de problème. Ouais. Mais quand vous regardez la fin de la situation, Bram van Driesch se désintéresse totalement de Machida. C'est Alderweireld qui va venir le prendre par la main pour aller lui mettre une deuxième carte jaune qui, pour moi, il ne la mérite pas. Que dit le règlement? On laisse l'avantage. Donc, j'ai pris quand même pour faire un peu de pédagogie. Au niveau de l'avantage, si l'arbitre décide d'appliquer la règle de l'avantage, après une faute, le règlement, pardon, mais... après une faute justifiant un avertissement ou une exclusion, il devra signifier cet avertissement ou cette exclusion au prochain arrêt de jeu. Pour moi, la faute de Machida sur cette phase, en tant que telle, la faute au niveau de sa dangerosité, ne mérite pas de carte jaune, si vous l'isolez. Cependant, si l'infraction consistait à tenter d'annihiler une occasion de but manifeste, une situation de carte rouge, dernier homme, ouais. C'est pas le cas. Le joueur sera averti pour comportement antisportif. Ça veut dire que si un gars va seul au goal, se fait tacler, le ballon continue, un coéquipier arrive, finit l'attaque, pour le défenseur, de rouge, on va passer à jaune parce que l'attaque a pu se terminer. Okay. Si l'infraction consistait à tenter de perturber ou stopper une attaque prometteuse, okay, on est ce dedans. Qu'on pourrait qualifier ici, et qu'on laisse l'avantage, le joueur ne sera pas averti du fait que l'arbitre a laissé l'avantage. Donc, le règlement est clair. Au terme du règlement, si on lit ça, qui est le règlement en vigueur après avoir appliqué l'avantage, la faute en tant que telle prise de manière isolée, et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre, mais pour moi, ce n'est pas une faute. Et si vous regardez le défenseur, il est bien, bien accroché à son maillot. Est-ce que quelqu'un trouve que la faute est dangereuse et mérite jaune en elle-même? Non, pas dangereuse, non, certainement pas. La faute de Janssen, il est plus fort que celui de Zidane. Ah oui, ok. Et après, on peut discuter qu'il a tenté de couper l'attaque, mais à partir du moment où on laisse l'avantage, le règlement est clair. D'ailleurs, l'arbitre, voilà, je le répète, s'en désintéresse, et c'est avec la complicité intime d'Alderweireld qui va lui donner cette deuxième carte jaune. Donc ça fait un peu beaucoup, et j'en profite aussi pour revenir sur les faits de la semaine dernière où on m'interrogeait sur le fait de savoir si les AS joueurs devaient aider les arbitres dans la gestion de la prise de décision avec le cas Vertonghen, et où, sans allumer personne, juste en parlant de faits, je disais que les arbitres étaient déjà 4 sur le terrain, 3 devant l'écran, et même s'ils se trompent, ils n'ont pas besoin des joueurs pour décider. Mais il y a des joueurs qui le faisaient. Hein. Timmy Simmons, record du monde. Oui, hein, mais record du monde. Des joueurs influence, mais on n'a pas besoin, je veux dire, l'arbitre n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Tout est en train de s'éteindre. Ah ouais. C'est un avertissement pour conditionnel dépassé. Bon, avant que ça s'éteigne complètement. Limite, il devrait même arrêter Alderweireld et lui dire quelque chose. Enfin, à un moment, il... Mais s'il y en a un qui mérite une carte jaune sur cette situation, c'est Alderweireld. C'est Alderweireld, ouais, très clairement. En attendant dans le même match, le tacle d'Edjouké, jaune ou rouge?
Non, ça c'est une carte jaune, hein. C'est une belle jaune. Voilà. Tacle au sol, le long de la ligne de touche. Il n'y a aucun souci. Un petit peu le pied pour être sûr de le faire tomber. C'est du pied quand même. Hein. Jaune, moi je trouve que c'est vraiment. Vrai jaune quand même. Quelqu'un aurait vu plus que jaune? Non. 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 Voilà, ben donc on ne va pas en discuter longtemps parce que. On va terminer en noir dans cette émission. Parce que c'est beaucoup plus important, une des dernières actions du match, c'est l'égalisation de l'Antwerp. Première constatation, est-ce qu'il touche le ballon de la main ou pas? Alors peut-être ici, mais certainement oui. Très bientôt. Attendez. Là. Là, il touche la balle de la main. On voit l'effet d'ailleurs du ballon qui change. On voit l'effet du ballon qui change. Et donc, qu'est-ce que le règlement dit? Parce que là, alors que chaque semaine, on discute, il a agrandi sa surface corporelle, il n'est pas dans une position naturelle, etc. Le règlement dit qu'il y a faute si un joueur marque un but immédiatement après que le ballon a touché son bras ou sa main, même de manière accidentelle. Donc, j'ai déjà dit aussi, il faut scinder les fautes de main défensives des fautes de main offensives. Mmh. On veut que les goals qui sont marqués soient clean. Ce n'est pas un goal clean, puisqu'il y a un contrôle accidentel peut-être du bras au préalable. Donc, c'est impossible à voir évidemment pour l'arbitre. Ouais. Les joueurs de l'Union qui se rendent dedans, ça leur a sans doute échappé aussi. Par contre, au niveau du VAR, c'est même une situation où pour moi, c'est tellement factuel que l'arbitre ne doit même pas venir devant l'écran. C'est comme un hors-jeu. Tu regardes ça, tu vois qu'il y a un contact préalable, c'est le joueur qui va marquer, c'est le buteur. Tu dois simplement dire à ton arbitre, goal annulé, on reprend par coup franc dans le rectangle pour la défense. Et c'est il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas comprises du tout ce week-end. Donc si quelqu'un un peu emmené nous... Et tout dans le même match. Non, mais sur ce match-là, ça fait un peu beaucoup. Mais là, c'était facile parce que malheureusement, ce nouveau règlement, comme le VAR, déteste le but. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de haine du but. Quand on marque un goal, c'est très, très mauvais. Crime scene investigation, on va tout vérifier. Et là, le règlement dit qu'il suffit de toucher le ballon et on annule le but. Donc, c'était hyper simple. Il fallait l'annuler. Même si l'esprit du foot, que j'aimerais un peu défendre, je pense que c'est goal, mais avec le règlement, c'est incroyable que ce ne soit pas annulé. C'est fou. Vu la détestation du but. Hein, c'est pas un peu ça, l'idée. J'ai compris. Vu la quoi ? La détestation du but. Voilà. Mais, merci. Mais donc, voilà. Donc, vous n'avez pas eu d'explication, quelqu'un Non. Mais c'est fou. Parce que là, c'est vrai, même, c'est vraiment fou. C'est gênant même. Hein. Oui, on sent d'ailleurs que. C'est une vraie ici, on se regarde, on se dit. Bah, bon. Y a de quoi. Et c'est une affiche. C'est une affiche avec 10-12 caméras, sans doute. Donc, il y a les angles. Et puis, si on sait le faire, avec les zooms, etc., tu sais combiner. Je pense les meilleures caméras. Il y a une caméra arrière-goal, celle qu'on vient de voir. Et s'il faut vraiment être sûr, on peut peut-être encore la combiner avec la caméra aux 16 mètres en la zoomant et en voyant qu'il y a le contact. Donc. Tout ça, c'est gênant, cette faute de main et tout. Mais je suis désolé, mais c'est l'agression sur Machida, c'est une agression pour moi. Ah oui. Vraiment, si on maintient ce niveau dans les play-offs, ça va être violent parce que l'intensité, elle va faire qu'augmenter, la nervosité des équipes aussi. À un moment, il faut dire stop. Ça, c'est pour moi, c'est une agression caractérisée. Vous pouvez pas laisser passer ça. Pour moi, il doit prendre trois matchs derrière Bataille. Ouais, c'est pas possible. Avec les explications d'Alexandre ce soir, on a en droit de se poser certaines questions. Voilà, sur ce match, en tout cas, surtout pour le VAR. Faut pas aller chercher beaucoup plus loin. L'équipe la plus pénalisée du week-end, ce week-end, c'est l'Union. Dans un autre match, par contre, il y a peut-être un penalty à siffler aussi. On est à Saint-Trombruges. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Il est poussé avec les deux mains dans le dos. Bonne pote en plus, Hans Van Aken. Et on va bien le voir ici. Il prend ses deux mains, il le met à terre. Enfin, je sais pas, c'est la base. Enfin, ça me semble simple et clair. Et voilà. Si on donne pénalty, Daïla est toujours l'entraîneur du club de Bruges. Voilà, mais en fait, c'est ça, à un moment donné, ça, ce n'est que du foot, on a le droit d'être ça, mais. Et ouais, si on en vient au VAR ici, à contrario, j'ai envie de dire que finalement, au lieu de se désintéresser, finalement, les joueurs brugeois sont très vite, ont légèrement réclamé et sont très vite désintéressés. Mais j'aurais presque envie de leur dire qu'ils feraient mieux dans ce genre de situation où ils sont vraiment sûrs de leur coup et droit dans leur basket, d'insister un peu plus. Parce que du fait, de ce fait-là, le VAR
se frotte plus rapidement les mains et se dit « ok, bah... » C'est de votre faute, Hans Van Aken s'est calmé depuis vos propos et il n'ose plus aller... Mais non, mais il a fait en fin de match, il aurait pu le faire tout de suite. En attendant, dernière phase, c'est intéressant de revenir, c'est avec le club de Bruges, mais en Coupe d'Europe, on va montrer cette fameuse règle des 6 secondes qu'on croyait oubliée depuis des décennies, un arbitre qui s'en est souvenu, et il a sifflé coup franc direct. Bon, le gardien avait largement exagéré, tu avais dépassé les 20 secondes, je pense, avant de dégager, dès la 19e minute, et là l'arbitre s'est dit « Ah oui, c'est vrai, il y a ce règlement, je vais m'en servir. » Pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas à d'autres, en fait? L'arbitre qui a bien préparé son match, comme c'est le cas à ce niveau-là, il connaît le contexte. Donc il sait que dès la première minute, il risque d'avoir l'équipe visiteuse qui tente de gagner du temps pour garder son but d'avance et son résultat. Donc je pense que le faire tout de suite à la 18e, premièrement, ça envoie le message que le gars, il n'a vraiment plus intérêt à recommencer. Et deuxièmement, voilà, il a raison. Le gardien ne va plus recommencer. Il est tranquille pour 90 minutes. S'il y a goal, tant pis pour lui. Et en même temps, il reste 70 minutes pour revenir au score. Mmh. Donc, c'est moins grave que s'il se la jouait avec le même résultat à la 94e. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une très, très bonne... une très très bonne décision, et c'est bien de montrer que ça existe encore et qu'il ne faut pas exagérer. C'est intéressant, et là on rappelle, il est obligé de donner coup franc indirect parce que le ballon est en jeu, ce qui n'est pas la même chose si le gardien gagne du temps sur un coup de pied de but, là le ballon n'est pas en jeu, donc là il donne une jaune. Bien c'est la nuance dans le gain de temps et les différences entre ces scènes-là. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. Vous aviez du boulot encore cette semaine. Dans un instant, le temps additionnel, attention, on va parler des Diables Rouges, la sélection évidemment, la prolongation de Tedesco, le message de Thibaut Courtois, les images du week-end, et puis Sarah reviendra pour terminer en détente cette tribune. À tout de suite. Toujours très instructif, notre ami Alex Boucaud, qui a, à mon avis, été professeur d'université dans une autre vie, peut-être très professoral. Pédagogue, en tout cas. Pédagogue, et le sens de la formule, c'est vrai. Bon, la page arbitrage, elle s'est résumée à pas grand-chose, mais c'est vrai que ça change tout. Et cette histoire de Van Aken aussi, on a du mal à comprendre. Enfin... En fait, nous-mêmes, vous et moi, on commente souvent des matchs de foot. Et ce qui est très frustrant pour des commentateurs que nous sommes, c'est que parfois, on n'a pas les clés pour informer les spectateurs sur ce qui se passe, parce qu'on a une idée plus ou moins précise du règlement, et encore parfois, il y a des zones qui sont floues et sujettes à interprétation. Et manifestement, ce n'est pas le même règlement qu'on a que celui des arbitres. Non, et quand vous dites on n'a pas toujours les clés, on a l'impression que le trousseau de clés de l'arbitrage belge, de temps en temps, il est paumé. Moi, je perds souvent mes clés. D'ailleurs, je ne sais pas où elles sont en ce moment, mais non, c'est pas possible. Quand il s'agit d'interprétation, on est complètement d'accord que voilà, on voit parfois les phases de manière différente, et il y a autant de supporters que, on dit souvent, il y a autant de supporters que de coach dans un stade de foot. Il y a parfois autant de supporters que d'arbitres quand d'arbitre il s'agit aussi, ouais, d'une décision arbitrale un petit peu contestée ou contestable. Mais sur les exemples qu'on a montrés là, sur ce que Alex explique sur la faute de main de Kerk pour l'égalisation, voilà, c'est même une main accidentelle doit être sifflée. Quand on a en plus la vidéo pour... je ne mets pas l'arbitre de champ là en cause, mais bien le VAR, comme ils l'ont fait en studio, c'est incompréhensible. Et ça ne va pas... ça ne va peut-être pas aller en s'améliorant dans des play-offs qui seront, comme l'a dit Cécile, de plus en plus intenses, avec des choses... Il faudra mettre le curseur de nos arbitres, devra être vraiment bien équilibré pendant ces play-offs, sinon ça peut très vite déraper. C'est un peu ça la crainte, effectivement, que j'avais en rentrant du match hier. Je me suis dit, il y a beaucoup de matchs qui ne vont pas se terminer à 11 contre 11 si on continue comme ça. Il va y avoir des blessures, il va y avoir de la tension, on va moins jouer au foot. Bon, c'est un peu dommage. Je pense que voilà, tout le monde a le droit de se tromper sur un match. Mais là, en l'occurrence, que ce soit Van Dries ou Verbomen en ce qui concerne l'Antwerp et l'Union, c'est un match à oublier pour les deux. Parce qu'il y a des erreurs qui sont vraiment imputables à Van Dries seul et d'autres qui sont vraiment imputables à Verbomen. Enfin, je veux dire, le but de Kerk... C'est Verbomen qui doit le voir depuis le VAR. Dans le VAR, oui, tout à fait. Oui, non, mais disons que le quatuor, on va dire 4 arbitres dans le stade et 3 dans le VAR, ça fait 7 quand même pour regarder les phases. Ils se sont tous tirés une balle dans le pied, en fait.
Le règlement des 6 secondes aurait dû être d'application à Westerlo, nous dit Serge. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Plutôt une bonne idée. Bah, non, il et pas que pour les gardiens. Pas que pour les gardiens, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il faudrait qu'on ait un peu d'empathie par rapport aux arbitres, le stress que ça doit être, surtout à la moindre erreur, vu de toutes ces caméras. Qui peuvent voir et analyser les situations parfois mieux que les arbitres. On comprend et on a bien sûr de la compassion et de la compréhension pour ce que vivent les arbitres parce qu'ils ont une pression incroyable et on a montré que Toby Alderweireld a mis la pression sur Van Driess, qui est un stade qui est parfois un peu difficile aussi, hein, et ça peut être le cas, hein, une pression négative qui est mise. C'est pour ça que le VAR doit aussi servir de filet de sécurité pour certaines décisions qui peuvent échapper et qu'on est quelque peu passé à côté. On va pouvoir passer au chapitre des Diables Rouges, puisque je sais que Patrick est arrivé maintenant sur le plateau de Benja. Diables Rouges, dont la sélection est tombée. Hein, ouais. Vous étiez même à la sélection de Domenico Tedesco. Alors, je suis content parce que ici, dans le chat, on a très très peu parlé de Thibaut Courtois et je pense qu'on a déjà tartiné assez bien sur le sujet et sur son émoji Pinocchio. Bah, tournons-nous peut-être vers le foot, puisque ouais, c'est quand même ce qui nous intéresse. Cette sélection, on le sait, vous le savez aussi mieux que personne, Domenico Tedesco ne va pas l'élargir à n'importe qui, mais il ne va pas l'élargir parce qu'il a son groupe et qu'il va rester avec ses certitudes là. Il y a peut-être des déçus. Il y en a qui sont légitimement déçus de ne pas y être. En attendant, on a l'impression que ceux qui n'y sont pas se sont déjà résignés et ont compris que ça allait être très difficile de rentrer dans cette sélection. Oui, Tedesco fonctionne avec un peu comme Martinez le faisait, d'une autre manière, avec d'autres us et coutumes, j'ai envie de dire, avec le coach espagnol. Mais Tedesco, il a fait confiance à un groupe, il a fait confiance à la jeunesse aussi, et il les lâche pas de sitôt. L'exemple le plus marquant pour moi, c'est Vermeeren dans la sélection. Vermeeren ne jouera pas, ne sera pas un titulaire indiscutable tout de suite chez les Diables Rouges, mais il a quand même dit dans sa conférence de presse, Vermeeren aura du temps de jeu dans un des deux matchs. Peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être moins, mais un Vermeeren qui ne joue pas à l'Atlético, c'est un jeune gars prometteur et Tedesco mise sur lui et il dit ouais, même si on n'est pas loin de l'Euro, je préfère garder ma structure et donc ça bouche. On sait qu'il y aura peu de place finalement quand on connaît les titulaires indiscutables en équipe nationale aujourd'hui. Il y aura peu de place dans la sélection. On rappelle qu'il n'y aura que 23 noms et plus 26, comme à la Coupe du Monde. Et dans les 23, il y a 3 gardiens. Donc ça fait 20 noms de joueurs de champ. Et c'est clair que Tedesco a marqué de son empreinte une petite pierre blanche là, avec cette sélection du mois de mars. Et pour dire à tous ceux qui n'y sont pas, sauf grosse blessure d'un de mes potes ou d'un de mes gars, plus que des potes, un de mes gars, ça ne sera pas possible. Ça veut dire que des profils comme Thorgan Hazard, par exemple, ont du souci à se faire s'ils veulent être à l'Euro. Ça va être compliqué, surtout à ces postes où ils répètent que la concurrence est là et fait bien son boulot. En ce qui concerne Thorgan Hazard, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ses concurrents jouent et marquent dans leur club. On cite cet exemple-là, on pourrait en citer d'autres. Ce qui me gêne, moi, un tout petit peu, et je ne vais pas faire du pro-hasardisme, mais ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que je trouve qu'un des grands atouts de Thorgan Hazard, c'est quand même son expérience dans les grands tournois. Je ne connais plus par cœur son nombre de sélections, mais ça se compte en plusieurs dizaines de sélections. Bien sûr, ouais. Et ça, dans un tournoi, je ne suis pas le seul à le dire, ceux qui sont sur le plateau l'ont dit souvent, Nico Frutos le premier, l'expérience dans un grand tournoi, ça a un rôle déterminant, peut-être pas dans la phase de poule au premier tour, mais après... Je m'excuse, mais par rapport à un De Ketelaar, un Thorgan Hazard, par exemple, pour moi, est quelqu'un qui, au-delà de sa polyvalence, a beaucoup plus d'expérience et pourrait être utile. Maintenant, je respecte les choix de Tedesco. De Ketelaar fait une très bonne saison depuis qu'il est à l'Atalanta. Et donc, voilà, il faut respecter ces choix-là. Mais c'est clair que pour Thorgan Hazard, mon avis, je lui donne désormais une chance sur 10 d'être à l'Euro.
Ça fait peu. Mais c'est vrai que le discours est différent, par exemple, pour la défense, où là, Domenico Tedesco a rappelé Thomas Meunier, oui. Alors qu'il ne rejoue que depuis la fin du mois de janvier. Donc, ça fait un mois et demi qu'il rejoue. Mais en disant, là, j'ai besoin d'expérience. Et oui. Il a besoin de l'expérience des quatre tournois de Thomas Meunier. Et il me semble, à mon avis, Hazard ne doit pas être loin d'avoir les quatre aussi. Oui, tout à fait. Mais il faut revenir un petit peu en arrière. La première sélection de Tedesco, souvenez-vous, Meunier ne jouait plus à Dortmund. Il avait disputé un match avec la réserve, avec les jeunes de Dortmund. Et il avait été repris en sélection. Et Tedesco avait dit oui. Donc je crois que sur Meunier, il compte depuis le début, en fait. Depuis le début, quand il est arrivé, je pense qu'il fait confiance à Meunier dans un secteur de jeu où il y a évidemment, on est moins à profusion que dans le secteur de Thorgan Hazard. Mais oui, l'expérience de Meunier, très certainement, là, elle va jouer. Meunier en backup de Cassagne, qui pour le coach national est le titulaire. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, des oiseaux de nuit qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas suivi le début du live. Alors, Westerlogen, qu'on en a beaucoup parlé. Stéphane qui nous dit, d'habitude, le leader de la phase classique débute à domicile les playoffs. L'ordinateur a-t-il bugué ? C'est vrai, Stéphane. Maintenant, quand je regarde le calendrier de l'Union Saint-Gilloise, je ne suis pas loin de me demander si ce n'est pas eux qui ont plutôt demandé à avoir... Bon. Alors, c'est pas la réponse, mais... On n'a pas la réponse, mais on sait que... Ils jouent chez le sixième pour commencer. Ils jouent chez le sixième et puis reçoivent le cinquième. Et je pense qu'ils terminent les playoffs en jouant contre Genk à domicile, exact. Et en ayant joué contre au cercle la semaine d'avant. Ouais. Donc ça veut dire... Je suis pas loin de penser. Bonne mémoire, dites-moi. Ouais, il me semble. je ne suis pas moi, loin de papier, penser. Moi, j'ai le papier, c'est le copion, mais pas vous. Non, mais j'étais dans la salle avec Nils quand on a tiré les boules. Non. Je pense quand même que... Je ne vais pas dire que l'Union a pu dicter son calendrier, ce n'est pas ça. Hein. Mais en principe, il y a cette règle tacite qui dit que le leader de la phase classique peut donner quelques orientations, on va dire, par rapport au tirage final. Bon, voilà. Après, ça veut dire qu'au milieu de ces playoffs, ils vont devoir se farcir, si j'ai bien compris, l'Antwerp, le club et Anderlecht. Pendant six matchs d'affilée. Donc, a priori, les trois équipes les plus costaudes. Oui, et J5, J6, c'est la double confrontation avec l'Antwerp qui va se suivre à quelques jours d'intervalle. Donc, ils vont jouer à l'Antwerp le jeudi 25 avril et ils vont recevoir l'Antwerp le dimanche 28. En trois jours, deux fois. Et la finale de la Coupe, le 9 mai. C'est un petit peu plus tard. Donc, 10 jours plus tard. Donc là, au cœur de ces playoffs, Union-Antwerp-Antwerp-Union, en trois jours, ça va peut-être être déterminant au regard de ce qui s'est passé ce week-end. Et on le disait tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on parlait de ce match sous tension et sans doute de ce qui est en train de devenir les meilleurs ennemis du championnat, Antwerp et Union Saint-Gilloise, au-delà du duel bruxello-bruxellois Anderlecht-Union. Je pense que là, vraiment, entre l'Antwerp et l'Union, il y a des, je vais pas dire des animosités, mais c'est chaud, hein, comme on l'a vu ce week-end, et ça le sera en plein cœur des playoffs. Voilà, bon, Patrick est encore là pour nous montrer les meilleures images de ce qui s'est passé ce week-end. On rappelle que les Diables Rouges sont arrivés. Alors, a priori, pas de joueurs qui sont arrivés pour repartir, comme ça arrive parfois. Certains joueurs viennent pour un check-up médical et puis s'en vont. Par contre, Yannick Carrasco est arrivé au camp, alors qu'il n'est pas repris dans la sélection, tout simplement parce qu'il se soigne en Belgique, et qu'il est venu faire un petit coucou à ses coéquipiers. Pour le reste, on sait qu'ils ont fêté l'anniversaire d'Aurel Mangala, notamment. Mangala qui était un certain, disait-on, mais exactement. Qui est bien là. Qui apparemment n'est pas encore reparti de la sélection. Donc ça, c'est déjà un élément aussi. Et pour Théâtre, que vous avez rencontré, d'ailleurs, à aller revoir sur notre site internet votre chouette reportage avec Arthur. Arthur était aussi incertain, mais il est bien là. Sans doute ne jouera peut-être-t-il pas pour le préserver contre l'Irlande. Hein. Voilà, mais il jouera plutôt contre l'Angleterre et pas contre l'Irlande. L'Irlande qui était a priori de toute façon un match où les Diables Rouges allaient faire tourner, donc... Comme il est, on l'a dit dans le reportage, le seul joueur à avoir commencé tous les matchs sous Domenico Tedesco. Voilà, je pense que lui est relativement assuré de sa place de titulaire pour le moment et donc aurait fait partie des joueurs potentiellement à laisser leur place pour d'autres. Pour le match contre l'Irlande, puisqu'on sait que le match le plus important, c'est le déplacement en Angleterre, où là, ça doit servir quelque part de répétition générale pour les Diables Rouges avant l'Euro.
Oui, bien sûr, l'Angleterre, ça va être, c'est un gros morceau. Et les Anglais ne vont pas le jouer à l'amical, hein, forcément. Ils seront devant leur public. Il y a une grosse formation en face, quand même. La Belgique est respectée dans le monde entier, hein, on le rappelle quand même. Et c'est un match de prestige, celui-là. Bon, mais l'Irlande, il ne faut pas sous-estimer. Moi, j'ai déjà été à Dublin dans ce stade pour un match Irlande-Belgique. Je peux vous dire que ça fait du potin. Il y a un vrai enthousiasme dans cette équipe irlandaise et ça ne va pas être une partie de plaisir. Oh, quelques jours après la Saint-Patrick en plus. Hein. Yes, my dear. deux partout, c'était le score la dernière fois qu'on s'était rendu là-bas. Mais là aussi, c'était avec une équipe, disons, remaniée sur Roberto Martinez. Il me semble que c'était l'un des premiers matchs d'Arthur Théat d'ailleurs. Une équipe dans laquelle il y avait encore à l'époque Thomas Fouquet et Adnan Januzaj. Donc, ça remonte un peu. Et il y a un certain temps de cela. Voilà, pour le reste, on a envie de dire ça arrive relativement en forme. On va pouvoir faire souffler Romelu Lukaku qui a ses soucis à la hanche qui reviennent périodiquement. Et là aussi, on va sans doute donner du temps à d'autres joueurs en Irlande en vue de ce match contre l'Angleterre. Bah, Openda, peut-être une belle carte à jouer. Hein. On le dit à chaque fois que Loïs peut prendre la place de Romelu. Mais là si Romelu est préservé pour le match contre l'Angleterre, bah, contre l'Irlande, ce sera... J'imagine que ce sera Openda et pas Batshuayi, donc sans quoi la hiérarchie serait bouleversée par rapport à ce qu'on a le sentiment d'avoir comme impression de la part de Tedesco. Donc oui, il y aura de chouettes, ça sera en tout cas intéressant et tout le monde aura un peu du temps de jeu dans ces deux matchs-là. Ça sert à ça aussi pour Tedesco, mais attention parce que l'Euro, il arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Hein. C'est demain quasiment l'Euro. Hein. Exact, bah, il ne reste plus que 10 matchs de championnat avant d'être à l'Euro. Comment est-ce qu'on va remplacer Kevin De Bruyne dans le chef de Domenico Tedesco? On a coutume de dire que celui qui est peut-être le plus proche, c'est Trossard, qui pourrait jouer un petit peu ce rôle-là. Trossard. Il l'a fait 3 fois. Oui. Donc Trossard est sans doute part avec une longueur d'avance. Je ne pense pas que Tedesco va tenter 1000 trucs différents, va tout bouleverser. Il a sa façon de penser, sa stratégie déjà bien en tête. Donc oui, je pense que Trossard devrait être notre Kevin De Bruyne bis. Mais je suis quand même... On en discutait avec quelques-uns tout à l'heure, ce matin, en réunion, en préparant l'émission. Certains disaient, ce que c'était pas vous d'ailleurs, De Bruyne pour l'Euro, je le sens pas bien. Alors, ça voulait dire quoi? Je révèle quelques secrets de fabrication ou de discussion entre nous, mais on est là pour papoter. Mais c'est vrai que De Bruyne absent encore cette fois-ci, moi, ça me dérange quand même un petit peu. Yves nous dit, on s'est qualifié sans De Bruyne. C'est vrai. Michael nous dit, on ne remplace pas Kevin De Bruyne, on comble le manque. C'est vrai aussi. Disons que pour le moment, il est revenu de blessure. C'était une longue blessure. On l'a fait revenir doucement dans le chef de Pep Guardiola. Mais Pep Guardiola l'a déjà sorti plusieurs fois de l'équipe. Bon, quand il jouait, il était parmi les premiers à sortir. Parfois, sans que ça ne soit annoncé à l'avance, il n'était pas dans la sélection. Ici, ce week-end, c'était encore le cas. Il était hors de la sélection. Ça, c'était logique après l'annonce de sa blessure. Est-ce que c'est vraiment fini cette blessure? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Je pense que c'est une question qu'on, c'est surtout qu'on a la crainte de ça et que c'est une manière de l'exprimer. Ce serait pas le même Euro avec ou sans Kevin De Bruyne, c'est sûr. Mais moi, pour résumer ma pensée, j'ai à ce stade, je n'ai pas de crainte. Je suis persuadé que Kevin De Bruyne est ultra motivé par le tournoi qui arrive. Maintenant, quel état physique sur un tournoi longue durée ou qui nous mènera, on l'espère déjà, jusqu'au quart de finale et peut-être au-delà. Sur la durée, là, j'ai un peu de crainte. Et c'est en quoi, sans doute, Guardiola fait bien les choses en ce moment, qui n'a pas hésité d'ailleurs à remercier, sans le dire, mais en le disant quand même, Tedesco de ne pas l'avoir repris. La sélection belge a bien compris comment on traitait Kevin De Bruyne en ce moment. Donc tout ça, Kevin De Bruyne doit apprécier aussi, je pense, le fait d'être écouté. Même si
bon, on connaît son côté compétiteur, il a toujours envie d'être là avec les Diables. Mais oui, c'est un point d'interrogation qui sera, je l'espère, vite levé. Oui, on le dit, je pense que c'est un accord tacite entre Guardiola et l'Union Belge. Ils sont troisième avec la Champions League à jouer. Je pense que ça fait partie de ça. En soi, les Diables Rouges n'ont pas besoin de Kevin De Bruyne aujourd'hui. Non. On sait ce que Kevin De Bruyne apportera quand il jouera. On sait que le système tactique est taillé pour lui, pour être cet homme derrière l'attaquant et pouvoir rayonner un peu où il a envie de rayonner sur le terrain. En fait, qu'apprendrait-on en emmenant Kevin De Bruyne en Irlande ? On prendrait juste sans doute des risques, et c'est ce qu'ont bien compris Tedesco et Guardiola d'un autre côté. Donc des risques pour son intégrité physique, je veux dire, en termes d'une blessure. Parce qu'une blessure qui tombe maintenant pour qui que ce soit qui est candidat à l'Euro, au moins à la mi-mars, c'est dans 2 mois, ça commence. Il faut faire attention. Là, c'est maintenant que tout le monde fait attention. Un De Bruyne, même à 50%, nous dit Olivier, est plus créatif que n'importe lequel de nos milieux, malheureusement. Un De Bruyne à 50%, il faut surtout éviter qu'il ne se retrouve pas à 0% à l'Euro. Je pense que c'est surtout ça le problème, mon cher Olivier. Alors après, sur le fait qu'il est plus créatif que les autres, oui, mais voilà, c'est notre meilleur joueur. Il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus et je pense qu'on est bien d'accord. Et Domenico Tedesco a eu De Bruyne au téléphone, c'est ce qu'il avait dit en conférence de presse. Il l'avait eu la veille de la sélection. Ils ont décidé ensemble, ils se sont parlé. Ils se sont dit que c'était pas le moment. C'est plutôt fait en bonne intelligence de la part de l'un et de l'autre. Ouais. Il me semble aussi. Voilà. Bah, je pense qu'on va doucement toucher à la fin de ce live puisqu'on est chez Sarah en bas. On peut nous montrer des petites images de chez Sarah. Et je crois que Benja va encore venir chez nous d'ici quelques petits instants pour le message de fin que nous avons sélectionné. Et donc voilà, on va écouter Sarah pour la fin et puis il y aura le meilleur message. En français. Avec le quatrième but, en fait, de leur équipe. Exactement. On revient donc à ce but dont je vous parlais, puisque je vous ai dit un peu plus tôt que Hugo Kuipers avait permis à son équipe de revenir à égalité, si on peut montrer les images. Et en fait, ce que vous n'avez pas vu, c'est ce but signé Kéline Acosta dans les tout derniers instants de la rencontre. Mais non. Un but sensationnel inscrit depuis le rond central. Mais si on regarde bien la trajectoire du ballon, en fait, elle est totalement déviée par le vent et le gardien n'a rien pu faire malheureusement. Ouais, c'était une transversale qui se transforme en but. Ouais. Extraordinaire. Centre banane de Frankie Vercotteren. Alors ici on est en division 2 chilienne dans la rencontre entre l'Universidad de Concepción et San Marcos. San Marcos mène 1-0, rien de fou dans ce que je dis. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Ce joueur de San Marcos nous offre le but égalisateur le plus improbable de la semaine. Un but contre son camp inscrit. Il cherche le ballon, regardez, il cherche le ballon et regardez l'ombre du ballon. Il retombe dans le. À la surprise générale. Incroyable. Alors ici, on est en Ouzbékistan, je ne sais absolument pas ce qui se passe et si vous avez des explications, on les veut bien. Donc il y a ce joueur qui donne un coup de pied au joueur adverse, l'arbitre sort son carton rouge et son coéquipier lui demande de jouer la comédie en le poussant par terre. On revoit la scène ici. Il donne rouge. Il n'y a rien qui va, donc si quelqu'un a des explications. Il donne un coup de pied. Oui, pour qu'il amplifie sa comédie. C'est bien que vous passiez après Alexandre Boucou, comme ça on voit qu'il y a parfois pire encore. Et puis alors on termine ici en beauté avec le goal de la semaine en Argentine, Nico, petit clin d'œil. Les Boca Juniors affrontaient le Racing et je vous laisse admirer ce but signé Luca Blandel. Nico, c'est vous qui commentez apparemment? Non. C'est bon, entendre. El Pocho Vignol, grand commentateur. Ouais, grand stade aussi. Allez, c'est la Bombonera. La Bombonera. Merci Sarah pour tout cela. C'était sympa ce moment et on va terminer avec Lancelot. Ben oui, on a un dernier petit message, effectivement le meilleur message de la soirée. Ça concerne encore Westerlo Genk parce qu'on en a beaucoup parlé. Hein, cet arrangement entre voisins de Westerlo et de Genk, arrangement supposé. Et donc le meilleur commentaire de la soirée, celui de Christian qui nous dit « Du coup, maintenant qu'on sait ça, est-ce que le parquet va aussi poursuivre les pays qui votent pour leurs voisins à l'Eurovision ?» Mais oui, évidemment, tout ça est truqué. Lancelot, merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions à Lancelot. Merci à notre public, notamment au U16 de Visée, à l'équipe première de Froid-Chapelle, qui nous ont rendu visite et qui nous ont chaleureusement porté pendant ces 2h24 d'émission.
2h24 d'émission, et ben ça veut dire, vous savez quoi, 2h27 de live. Record battu. Merci à Christian, merci à Vincent qui était avec nous. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine tribune. Bah, d'ici là, profitez bien d'un petit peu de congé, non ? Oui, on va faire ça. On va faire ça. Allez, merci à tous et passez une bonne semaine. Ciao.